Mesdames et messieurs, nous voulons vous saluer et vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Au nom de BIBG Africa, juste vérifier avec l'équipe technique si tout est OK. Mes regards se portent OK, je le pousse du positif. Donc, nous sommes le samedi 2 avril 2022. Et le cabinet de consulting BIBG Africa vous invite ce jour pour ce temps de connexion, mais également un temps de partage, afin de pouvoir échanger ensemble sur des opportunités, sur des perspectives concernant la vie professionnelle. Alors, le cabinet BIBG est un cabinet de consulting international qui œuvre au développement d'une Afrique émergente et elle s'est focalisée particulièrement sur des formations de très haut niveau afin de pouvoir contribuer à la création d'une masse critique de compétences, particulièrement dans le domaine de ce qu'on appelle les ERP, les solutions de gestion intégrée. Et principalement SAP, qui est le numéro 1 mondial. Alors, je suis M. Famien, membre de la team BIBG Africa, et je vais donc conduire ce moment avec, bien sûr, le directeur Afrique de BIBG Africa pour ce moment que nous avons à passer ensemble et bien sûr avec les experts qui sont parmi nous et qui pourront donc vous entraîner tout au long de ce moment que nous passerons ensemble. Aujourd'hui est à marquer d'une pierre blanche pour BIB Africa parce que cela permet de pouvoir renouer avec notre canal de prédilection en termes d'échange avec les professionnels. C'est un canal qui est des conférences présentielles. Et compte tenu de la COVID depuis 2 ans, nous n'avons pas pu tenir de façon régulière ce genre de rencontres. Par la magie des réseaux sociaux, nous avons gardé la connexion avec vous pour vous permettre de pouvoir continuer à suivre nos formations et nos moments de web conférences. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à vous proposer? Ce matin, nous aurons donc des moments très riches, riches en termes d'intervention, riches en termes d'experts présents, riches aussi en termes de retour d'expérience et riches en termes d'intervention avec vous. Nous avons eu beaucoup de webconférences, mais ici, nous avons l'occasion de pouvoir échanger, de vivre, voir, mais également mettre des visages sur les noms. Pendant tout ce temps, vous aurez des noms que vous avez entendus pendant la webconférence et vous verrez que vous ne rêviez pas que nous sommes bel et bien là et présents. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire pour le siège Afrique de BIBG et voici donc l'occasion de pouvoir nous retrouver pour ce moment. Alors, pour bien faire les choses, nous voulons simplement vous donner quelques consignes utiles. La première consigne, c'est de mettre vos téléphones sous silence. Je pense que pour qu'on puisse interagir plus facilement et bien écouter également toutes les interventions qui vont avoir lieu, je nous vous prions de mettre votre téléphone sous silence. La deuxième chose que nous voulons vous dire, c'est que pour tout ce qui concerne les interventions, si vous voulez prendre la parole, vous simplement levez les mains et on vous donnera la parole. Nous sommes ici pour échanger, nous sommes ici pour pouvoir échanger profondément sur tous les sujets. Aucun sujet ne sera laissé pour compte. Nous allons intervenir et approfondir chaque aspect que vous voudriez bien nous permettre d'aborder. Donc, sans plus tarder, permettez-moi de vous introduire Monsieur Moussa Koumara, Managing Partner de BIBG, sous vos ovations. Encore plus nourri, s'il vous plaît.
Merci. Merci également d'ovationner Fabien Philippe, qui fait partie de l'équipe de BIBJ et qui nous aide à battre ce travail-là, à réaliser cette ambition que nous avons, ambition de BIBJ Africa, qui est de vulgariser autant que peut les connaissances dans les nouvelles technologies à la cible africaine, que ce soit la cible qui réside en Afrique, mais également celle qui nous suit depuis l'Europe, depuis l'Amérique, la France, le Canada et même souvent aussi des pays de l'Est. On a eu quelques étudiants de la Bulgarie et tout. Et on a une pensée pour eux actuellement. En tout cas, merci, mesdames et messieurs, d'être là parmi nous. On a commencé avec un petit retard. Désolé, il y a eu une forte pluie aujourd'hui. Je crois que c'est estompé. Et donc, on espère que les autres qui ont manifesté beaucoup d'intérêt pour cette rencontre, qui a enregistré plus de 100 manifestations d'intérêt, on espère qu'ils pourront nous joindre. Mais c'est une tension, une rencontre qui est retransmise aussi en ligne. Et on fait un coup à tous ceux qui nous suivent à distance depuis nos différents canaux YouTube, Facebook, depuis LinkedIn aussi. Voilà. En tout cas, nous, on est très heureux de vous accueillir. Et comme Famien l'a annoncé, je suis managing partner de BIBJ Africa. BIBJ Africa a une histoire. Pour moi, l'histoire a commencé avec cette emprise depuis 2010, année également où elle actionnait fortement les formations dans le domaine de... BIBJ Africa est née de l'idée de quelqu'un, voilà, qui est Monsieur Ray Kofi, qui nous suit également à distance, qui est à Boston actuellement. Et cette idée-là, après toutes les années qu'il a passées aux États-Unis, était de réaliser quelque chose pour aider l'Afrique. Voilà. Donc, comment est-ce que l'Afrique, voilà, va s'élancer dans son développement, devenir émergente, c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui. Et on a compris que la formation compte pour beaucoup. Et s'il y a un domaine dans lequel on peut véritablement se positionner, sur lequel l'Afrique peut s'appuyer pour aller de l'avant, c'est celui de la technologie. Donc, il y a pas mal de pays qui ont pu s'élancer par le biais de la technologie, hein, dans les continents asiatiques. Il y a des pays aujourd'hui qui se distinguent par la grande connaissance qu'ils ont dans les domaines technologiques. Je pense à l'Inde, par exemple. Et l'Afrique a des talents. L'Afrique a la possibilité également de rattraper son retard à ce niveau. Donc, nous, c'est notre modeste contribution au niveau de BIBJ. On fait un axe fort pour le moment sur SAP, mais on a la possibilité d'intervenir sur d'autres champs technologiques. Alors, aujourd'hui, vous êtes là. C'est justement pour découvrir ce qu'une formation en SAP peut vous apporter. C'est cette thématique-là que nous avons eu la possibilité de développer chaque fois en ligne, les 6 opportunités pour devenir expert international en SAP. S4 Anna. Donc, c'est ce que nous allons essayer de développer aujourd'hui, mais cette fois-ci en présentiel, avec de nouveaux grains de sel, avec de nouvelles informations, avec des échanges pratiques, avec ceux-là même qui sont au quotidien. Donc, pour que, au-delà de tout ce qu'on dit, vous apportiez un peu, on va dire, du physique, de la réalité. Et c'est cette opportunité-là qu'on a voulu vous donner à travers cette rencontre en présentiel. Donc, durant tout le développement de ce meet-up, on va parler de 6 opportunités. Donc, c'est des informations qu'on va véhiculer, voilà, par rapport à cela. Je sais que parmi vous, il y a pas mal qui ont déjà assisté à notre webconférence. Vous pouvez lever la main, ceux qui ont déjà assisté à la webconférence. Et voilà, c'est pratiquement la moitié. Super. Donc, ça sera une redite pour vous, mais comme j'ai dit, il y aura des grains de sel avec le partage d'expérience de consultants qui sont sur le terrain, qui vivent, on va dire, les aspects positifs, bénéfiques du fait d'avoir une connaissance en SAP. Voilà. Alors, on va aller dans le vif du sujet, mais avant, voilà. Pourquoi être attentif? Il faut être attentif parce que justement, on va partager de très bonnes informations. On va parler de résilience. Hein. C'est le terme qui est beaucoup utilisé actuellement, hein, depuis l'avènement de la crise
voilà, de la COVID-19. On parle de résilience, résilience des entreprises. Les entreprises ont dû faire face à cette crise-là, ont dû développer de la résilience pour continuer à exister. Et la résilience, ce n'est pas que les entreprises, c'est aussi nous. C'est aussi les personnes. Il faut qu'on soit résilient pour continuer à progresser dans notre carrière. Ce que je vais partager avec vous, c'est que conseil rapide, on va dire pratique, pour renforcer sa résilience. 10 conseils rapides. Le premier, c'est créer des liens. En créant des liens, en s'appuyant sur notre entourage, nos amis, nos familles, nos collègues, résilience, on peut avoir de l'aide de ces personnes. Rechercher des opportunités de découverte de soi. Souvent, face à des difficultés, on est obligé d'aller puiser en soi pour pouvoir trouver des solutions, n'est-ce pas? Et donc, face à des difficultés, il faut voir ces difficultés comme des opportunités de découverte de soi. Il faut cultiver une vision positive de soi-même. Déjà ça, en renforçant un peu votre confiance en vous, vous renforcez un peu votre résilience. Gardez les choses en perspective. Gardez un regard plein d'espoir. Il faut être positif. Il faut prendre soin de soi, de telle sorte que lorsque les cas difficiles arrivent, ben, on a cette capacité à la fois physique, à la fois morale, pour pouvoir faire face aux difficultés. Et voir les crises autrement. Ok, c'est une crise. Mais peut-être que cette crise-là, pas derrière, elle a tout un matelas d'opportunités dont je peux bénéficier. Ok? Donc souvent, voir les crises autrement. Et puis, il faut accepter le changement. Il ne faut pas être réfractaire au changement. Il ne faut pas être réfractaire aussi aux crises. C'est des choses qui font partie de la vie. Ok? Donc, il faut accepter le changement. Quand on a accepté le changement et qu'on sait que okay, ça, c'est une situation de crise, on est déjà dans une bonne position pour commencer à chercher des solutions afin de, voilà, dépasser cette situation. Et il faut avancer vers ses objectifs. Avancer, c'est-à-dire vraiment se mettre dans une dynamique d'action et prendre des mesures décisives pour y aller. On est toujours dans le cadre des actions. Donc voici, partager un peu 10 conseils rapides, d'accord, que vous pouvez utiliser pour vous-même, d'accord, mais également dont les managers, des conseils que les managers s'approprient pour pouvoir aider également leurs entreprises à être résilientes. D'accord. Alors, donc, ça, c'est pour nous. Maintenant, durant tout ce meet-up, au-delà de ces conseils, vous allez également voir, vous allez noter des informations qui vont vous permettre aussi d'être résilient, notamment avec quelque chose qu'on va partager ensemble. Et il s'agit de SAP. On a dit qu'on va présenter des opportunités, 6 opportunités au total. Ça, c'est la première opportunité qu'il faut noter. On parle d'information, mais une information selon la richesse qu'elle incarne est une opportunité. Et ça, c'est l'opportunité numéro 1, la transformation digitale, facteur de résilience des entreprises. On en parlait tout à l'heure. Ce slide que vous voyez présente un peu l'évolution d'une entreprise selon 5 phases en situation, on va dire, pour pouvoir retrouver le statut normal depuis l'avènement de la crise. Comme vous pouvez voir, les 5 phases, il y a la phase de l'avènement de la crise, COVID, il y a la phase de la chute, hein, on va dire, de la baisse de l'activité économique, il y a la phase de la récession, il y a le retour progressif vers la croissance, et puis il y a l'étape d'évolution normale. Mais à chacune de ces phases, l'entreprise fait un focus sur un élément. Et on peut constater qu'en phase de récession, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise renforce sa résilience. Mais sur quoi l'entreprise s'appuie pour renforcer sa résilience? Sur quoi les entreprises, d'une manière générale, durant la crise COVID, se sont appuyées pour renforcer leur résilience? C'est bien la transformation digitale, c'est la technologie. Ici, c'est un extrait d'une étude qui a été faite par le cabinet PricewaterhouseCoopers. Okay? Et dans cette étude révèle que environ 52% des chefs d'entreprise, vous pouvez voir en haut, okay? Digital Transformation, 52% des dirigeants d'entreprise
planifie dans le long terme, enfin impacte sur le long terme des investissements dans la transformation digitale. Ça, c'est une information capitale à prendre. C'est-à-dire aujourd'hui, toutes les entreprises ont compris, pour la plupart en tout cas, que action dans la transformation digitale, j'ai une solution pour me prémunir des conséquences comme celles que les entreprises, d'une manière générale, ont pu subir durant la crise de la COVID-19. Elles ont compris également qu'à travers la transformation digitale, elles peuvent avoir plus de performance, elles peuvent être plus résilientes, plus durables. Et donc ça, vous, en tant que particulier, en tant que cadre d'entreprise ou personne qui est à la recherche d'opportunités professionnelles, c'est important à noter ça. Attention, il y a cette dynamique-là et donc je note cette information. OK? Donc ça, c'est important à noter comme opportunité. Niveau d'information. OK, on va se mettre. Qui évolue dans le secteur industriel, donc il y a plus de vente, production, ressources humaines, approvisionnement, comptabilité, pour ne citer que ces divisions, ces départements. Alors, cette entreprise n'a pas d'ERP, quel sera ce flex? Ça sera de doter chacune de ces directions, de ces départements d'un logiciel pour traiter l'information. Mais le truc, c'est que chaque département ou chaque direction aura son logiciel qui est différent du logiciel de l'autre département. Et ça, ça va exposer l'entreprise à un tas de difficultés. Difficultés en termes d'erreurs de saisie, donc il y a des erreurs de saisie, non mise à jour de données, omission de données et redondance surtout. Surtout ça, beaucoup de redondance. Les départements vente entre une information dans son logiciel et le département comptabilité entre la même information et même peut-être si ça a un lien avec les ressources humaines, le département ressources humaines aussi entre la même information dans son système. Ça expose l'entreprise à toutes ces difficultés-là. Et une des difficultés majeures, c'est quoi? C'est les coûts. Ça va exposer l'entreprise à des coûts de maintenance élevés puisqu'on a plusieurs logiciels différents. Et en plus, perte de temps. Imaginez en fin de période, par exemple, en fin de mois, la comptabilité doit faire une synthèse. Dire, OK, le mois est fini, voici ce qu'on a pu réaliser comme activité et voici la comparaison avec le budget. Ça emmène la compta à aller rechercher les informations sur tous les systèmes. Donc, on prend du temps et souvent, ça va appeler un informaticien pour venir connecter le logiciel du département vente avec celui de la comptabilité. On perd du temps, on perd de l'argent. OK? On prend l'exemple d'une entreprise qui dispose d'un ERP. Déjà, schématiquement, on voit que c'est un peu plus clair. Vous voyez, ce qui caractérise l'entreprise ici, c'est l'uniformisation des services et la centralisation de l'information au sein d'une base de données unique. Donc, du coup, l'information est saisie une seule fois. OK?
et la redondance des données entre les départements n'existe plus, puisqu'il y a une meilleure coordination entre les services, et puis il y a un gain de temps, il y a un gain de productivité. Ici, le manager de l'entreprise est à l'aise. En fait, tous les managers, tous les décideurs, l'information qui est inscrite par un département peut être disponible par un autre département si on lui en donne l'autorisation. Donc, par exemple, au niveau de la comptabilité, pour faire la synthèse, c'est plus simple. Je n'ai plus besoin d'aller me déplacer au niveau de toutes les autres directions. J'ai déjà l'information qui est accessible. C'est quelque chose que j'ai vécu personnellement en ma qualité de contrôleur de gestion dans une entreprise qui évoluait dans le domaine de la livraison express et qui était filiale d'un grand groupe européen. Donc, j'étais contrôleur de gestion et j'étais chargé du reporting. Et on n'avait pas d'ERP. On avait Sage au niveau de la compta, mais le département exploitation avait son système pour gérer toute l'activité de livraison express. Le département commercial avait un autre outil informatique, mais c'était un casse-tête chaque fin de mois. Au niveau du groupe, ils ont des délais très précis. Pour ceux qui ont déjà travaillé dans des groupes, et là, je ne joue pas avec les délais. Ça fait partie des indicateurs de performance. Donc, quand il dit faut envoyer le flash à telle date, le 5, il faut qu'au plus tard, le 5, ce soit parti. Mais il faut chaque mois que je fasse justement le tour des départements clés pour avoir les informations, parce qu'à la fin du mois, la compta n'a rien comme information. Et vous imaginez, moi, j'étais en lien direct avec le DG. C'est comme ça qu'on m'avait placé en staff. Donc, je suis en staff avec le directeur général. Et lui, il a besoin aussi de ces informations pour expliquer au niveau du groupe s'il atteint les objectifs du mois ou pas. Mais c'est seulement à la fin du mois qu'il peut apprécier. Vous vous rendez compte? Donc, on ne fait que constater. C'est dit, il n'y a aucune marge de correction. On est à la fin du mois, on constate. On est rentré dans le budget, on a dépassé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'ERP. Donc ça, pour vous montrer en tout cas les avantages d'avoir un ERP, et c'est pour ça qu'on le dit, ERP, facteur de performance des entreprises, ça améliore véritablement le pilotage de l'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième opportunité à noter. On a dit la première opportunité, c'est quoi? La transformation digitale, facteur de résilience. Très bien, ok, les entreprises veulent être résilientes. D'accord? La transformation digitale, c'est bon. Mais dans tout cela, les ERP aident les entreprises à bien conduire les démarches de transformation digitale. Les ERP jouent un rôle important parce qu'ils aident l'entreprise à être performante. L'opportunité numéro 3, SAP numéro 1 mondial des ERP. Donc parmi les ERP, il existe plusieurs ERP dans le monde, mais il y a un ERP qui se distingue, c'est quoi? C'est SAP. SAP est le numéro 1 mondial des ERP. C'est une opportunité et il faut noter ça. Un peu d'historique, SAP signifie Systems, Applications and Products. SAP est le numéro 1 mondial des ERP. C'est un logiciel qui existe depuis 1972. La première version s'appelait R1. Real Time Data Processing, c'est pour R1, disait la première version. C'est un logiciel allemand. Et on connaît les Allemands pour leur rigueur. SAP a évolué depuis 1972. À la fin des années 70, il y a eu la version R2 que les multinationales utilisaient beaucoup, les multinationales européennes, parce qu'elles cherchaient des logiciels multi-devises, multi-langues. Au début des années 90, il y a eu la version R3 qui a été créée. À partir de cette version, que SAP a commencé à s'imposer comme le leader des ERP. En 2004, il y a eu SAP ECC, ERP Central Component, une nouvelle architecture dans laquelle SAP s'est dit, on va concevoir un logiciel de base avec des fonctionnalités que toutes les entreprises peuvent utiliser. OK? Donc, des fonctionnalités que toute entreprise peut avoir besoin, notamment la compta. On a tous besoin d'une compta. Mais on va donner la possibilité de pouvoir adjoindre des fonctionnalités supplémentaires sous forme de modules. Donc, ça, c'était SAP ECC. En 2011, SAP a conçu sa plateforme de gestion de données, qui est SAP HANA. Okay? Et en 2015, SAP a mis en place SAP S/4HANA, qui n'est rien d'autre que la suite des modules qui fonctionnent uniquement sur la plateforme HANA.
Il faut savoir que SAP a des versions qui sont adaptées aux PME, notamment SAP Business One, SAP by Design. La différence entre les deux, c'est que Business One, c'est beaucoup plus on-premise, c'est-à-dire c'est sur site que ça s'installe, mais on peut aussi installer Business One dans le cloud. Mais SAP by Design, c'est exclusivement le cloud. Bon, entre les deux, SAP Business One s'adapte aussi, descend un peu plus dans l'échelle des catégories des entreprises. C'est-à-dire SAP Business One, pour les micro-entreprises, ça passe. À partir de 3 utilisateurs, on peut aller. Mais by design, c'est de 5 utilisateurs, ça peut grimper même jusqu'à 1000 utilisateurs au niveau de SAP by design. Mais tout ça, c'est pour les PME. Encore que lorsqu'on parle des PME, une PME aux États-Unis peut être qualifiée ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique, comme une grande entreprise. Donc, ça vous laisse voir un peu jusqu'où le potentiel, le champ d'utilisation de ces logiciels. Alors, ce slide présente un peu, encore une fois, la position de SAP dans le marché des ERP. C'est vrai que c'est une slide qui date de fin 2018. Okay, où on voit que SAP dévance des mastodontes comme Oracle, comme Sage, mais de très loin. Vous voyez là, en termes de chiffre d'affaires, SAP fait pratiquement le double de son succédeur, qui est son prédécesseur, qui est Oracle. Et vous voyez également que ce qui est important de noter, c'est que le marché des ERP lui-même est en pleine croissance. Voilà. En 2000, donc fin 2018, c'était là-bas des 35 milliards de dollars, avec une croissance de 10% qui avait été réalisée au niveau des marchés des ERP. Donc, le marché des ERP lui-même, globalement, évolue dans la croissance. Et c'est ce qui est important à noter. Quelques chiffres sur SAP. Plus de 100 000 employés, plus de 22 000 partenaires, un chiffre d'affaires extraordinaire, plus de 180 pays, plus de 25 secteurs d'activité touchés par le logiciel, etc. Et vous avez notamment 92% des entreprises classées dans le classement Forbes Global 2000 utilisent SAP. Donc c'est un logiciel non seulement de prestige, mais qui est bien installé dans le monde. Et moi, il y a ça qui me frappe beaucoup plus. 77% des recettes de transactions dans le monde se font via un système SAP. 77% des transactions dans le monde sont enregistrées via un système SAP. Donc, c'est énorme ce que représente ce logiciel-là. Quelques marques d'entreprises qui utilisent SAP. Ça, c'est des marques que vous connaissez. Coca-Cola, Siemens, Sony, Nestlé, Walmart, DHL, etc. Et à l'occasion de nos web conférences, chaque fois, on recueille en Afrique ici, il y a pas mal d'entreprises qui de plus en plus migrent vers SAP. Et c'est pour ça, et ces entreprises qui, pour la plupart, sont leaders dans les secteurs d'activité, un peu comme s'il y a un lien de corrélation entre le fait d'utiliser SAP et puis d'être performant. Et c'est pour ça que SAP adopte ce slogan-là qui est « The best run SAP », les meilleurs utilisent SAP comme logiciel de gestion. 75% des 500 plus grandes compagnies au monde utilisent SAP. Donc, les grandes compagnies, lorsqu'on fait le classement des entreprises et on prend les plus grandes, les 500 plus grandes, 75% utilisent SAP. D'où le prestige de ce logiciel et d'où l'intérêt de cette opportunité. SAP n'est pas que dans le monde des entreprises, mais aussi dans celui des organisations internationales. La CDAO, la BAD, les agences des Nations Unies, la Banque mondiale, pour ne citer que celle-là, utilise SAP comme logiciel de gestion. Ça, c'est pour parler un peu des innovations. On va aller rapidement là-dessus. Au niveau de SAP, il y a de grandes innovations qui se mettent en place. Aujourd'hui, SAP a mis au cœur de sa stratégie le concept d'entreprise intelligente. C'est-à-dire, SAP va au-delà du concept de transformation digitale. La transformation digitale, c'est une chose. Mais être une entreprise intelligente, c'est autre chose. Et c'est ce concept que SAP développe. Pour SAP, une entreprise intelligente, c'est cette entreprise qui va utiliser des solutions technologiques avancées. OK? Pour être
plus résiliente pour être, pour avoir une performance plus forte, pour avoir une durabilité plus affichée. Donc c'est cette entreprise-là qui va utiliser des solutions qui sont disponibles souvent dans le cloud, qui va utiliser l'intelligence artificielle, qui va utiliser l'Internet des objets, etc. Ces éléments-là présentent un peu quelques fonctionnalités de l'entreprise intelligente SAP. On parle de fonctionnalités. Vous avez notamment ce qu'on appelle l'Intelligent Suite, qui est une grande rubrique où vous allez retrouver toutes les solutions qui vont aider les entreprises à gérer leur processus de bout en bout. Donc les solutions, tout ce qui est S4HANA notamment, c'est cela au niveau de l'Intelligent Suite. Donc que ce soit pour gérer le personnel, que ce soit pour gérer la clientèle, que ce soit pour gérer les finances, etc. Tout un ensemble de solutions que SAP intègre dans cette rubrique-là qui est Intelligent Suite. Ensuite, vous avez l'Industry Cloud. Et là, à ce niveau, c'est là où SAP marque la différence avec les autres ERP. C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure, SAP a déjà targeté plus de 25 secteurs d'activité. Et avec le prestige des entreprises, dont des entreprises qui ont une exigence de gestion très affichée, en fait, qui adoptent les meilleures pratiques de business. Donc, SAP a l'expérience au niveau de ces secteurs-là et elle met cette expérience-là au service de toutes les entreprises qui utilisent SAP à travers sa plateforme qu'elle appelle l'Industry Cloud, qui donne la possibilité à une entreprise de tout de suite faire ce qu'on appelle l'identification de solutions verticales, donc des solutions métiers qu'elle met à leur disposition dans l'Industry Cloud. Et vous avez BTP, Business Technology Platform, où SAP met des solutions qui sont prêtes à l'emploi pour aider l'entreprise à créer beaucoup plus d'innovation. Et vous avez le Business Network, qui est aussi une des nouvelles solutions que SAP met en place pour aider les entreprises à se mettre dans une dynamique où elle n'est plus l'entreprise qui est entre quatre murs, mais elle comprend qu'elle est une entreprise qui est dans un écosystème, un environnement où elle a des parties prenantes qui sont soit des clients, soit des fournisseurs. Et comment est-ce qu'elle arrive à suivre les relations qu'elle a avec eux dans toute sa chaîne de valeur. C'est-à-dire aujourd'hui, SAP évolue d'un cran en train même d'aller au-delà du concept de ERP et d'aller vers le concept de NRP, c'est-à-dire Network Source Planning. Ce sont de grosses innovations au niveau de SAP. Et comment SAP va aider l'entreprise X à devenir une entreprise intelligente? C'est avec ce nouveau programme qu'elle appelle Rise with SAP. Rise with SAP Business Transformation as a Service. Donc c'est un nouveau programme que SAP met à la disposition des entreprises pour aller vers le cloud, pour utiliser ces nouvelles solutions, créé par SAP, notamment S4HANA et autres. Donc, c'est important aujourd'hui que vous ayez ces informations, vous qui êtes intéressé par une carrière en SAP, de noter cela et de vous informer davantage sur ces nouvelles approches développées par SAP. Il faut comprendre qu'avec Rise with SAP, en fait, c'est une offre de service qui comprend plusieurs choses, que ce soit l'infrastructure, que ce soit l'assistance qu'on doit apporter à l'entreprise, donc pour aller vers le cloud. OK. Donc ça, c'est Rise with SAP. Il y a eu une rencontre thématique que j'ai eu l'honneur de modérer, okay, avec SAP Afrique francophone qui s'est tenue à Abidjan il y a quelques semaines, on va dire ça comme ça. Et vous avez la possibilité d'avoir le résumé de cette rencontre thématique en allant sur mon LinkedIn. J'ai fait tout un article là-dessus. Vous pouvez avoir vraiment de manière à la fois synthétique et développée un peu plus de compréhension sur ce que c'est que l'entreprise, le concept de l'entreprise intelligente au niveau de SAP. Alors, donc ça c'était l'opportunité numéro 3. OK? On a vu trois opportunités. Qui peut me les rappeler? Les trois opportunités qu'on a vues. La première opportunité, c'est. OK. Deuxième opportunité. Pardon? Ça, c'est la troisième. Oui, la deuxième opportunité. OK. Et la troisième. OK. Donc, trois opportunités. Un, la transformation digitale, facteur de résilience des entreprises. Deux,
Les ERP, facteurs de performance des entreprises, opportunité numéro 3, SAP, numéro 1 mondial des ERP. OK? Alors, on va passer à l'opportunité numéro 4. Et l'opportunité numéro 4, on va laisser le soin à quelqu'un d'autre de parler de cela. Quelqu'un d'autre qui est plus averti sur cette question, consultant SAP. Comme ça, on va quitter la théorie, on va rentrer dans le pratique. Comme ça, vous allez voir concrètement, être consultant SAP, qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça ressemble. Donc, je vais laisser le soin à Famien d'introduire le panéliste qui va traiter de cette opportunité et de l'opportunité qui va suivre. Et moi, je vous rejoins pour la suite. Famien, merci. Merci beaucoup, M. Koumara. Merci pour ces interventions fort riches en termes d'informations et qui permet donc à chacun de nous de pouvoir mieux saisir la profondeur des opportunités qui se présentent avec SAP. Comme a dit M. Koumara tout à l'heure, nous sommes partis des informations et maintenant nous allons entrer dans quoi? Dans la pratique. OK? Dans la pratique, SAP, les opportunités sont tellement larges que chacun des experts qui passera tout à l'heure vous expliquera ce qu'il fait exactement, quel est son quotidien dans les missions dans lesquelles ils sont engagés, afin que chacun puisse saisir où est-ce qu'il pourrait se retrouver dans quelques années ou quelques mois. Bien sûr, si tu as décidé de pouvoir embrasser SAP pour être aussi un expert là-dedans. Alors, notre premier expert cumule plus de 10 ans d'expérience en SAP. Il est certifié, OK, SAP Finance, et il est spécialisé surtout dans tout ce qui est management de l'information et de système. Il est également diplômé en audit et contrôle de gestion, en maîtrise de gestion. Et il est impliqué depuis ces 10 dernières années dans de grands projets d'implémentation. Il vous dira quelle est la différence entre l'implémentation, quelle est la différence entre l'utilisation juste des SAP en tant que, on va dire, utilisateur fonctionnel. Et tous ces aspects-là, il vous le mentionnera. Alors, quelques missions auxquelles notre expert a participé. La BOAD, vous connaissez. Le ministère des Finances du Sénégal, l'UEMOA, Orange Maroc, PASI, Sanya, qui sont des sociétés pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire connaissent assez bien, la CIR, Barry Calbo également. Il y a également le ministère des Finances de l'Algérie et j'en passe. Et donc, dans le cadre de ces missions, notre expert a régulièrement voyager selon la direction ou les orientations vers lesquelles les missions l'envoyaient. Donc en Inde, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Sénégal, au Portugal, au Maroc, au Nigeria, l'Algérie, j'en passe. Donc c'est un expert qui a suffisamment éprouvé son expertise pour pouvoir s'adresser à vous et vous donner de plus amples informations. Mais surtout des informations pointues et précises pour quitter la théorie, pour être vraiment dans la pratique. Je voudrais, avec votre permission et sous vos ovations, saluer l'arrivée de M. Atoma Tanguy Serge, expert SAP, pour son intervention sur l'opportunité qui se présente à vous maintenant. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai été présenté. J'ai été trop présenté. Donc, c'est simplement Tanguy. Parce que quand nous nous retrouvons, sur le projet, on s'appelle généralement par le prénom. Voilà. Et le prénom qui est beaucoup plus connu, c'est Tanguy. Bon, dans d'autres horizons, les gens disent Serge, mais c'est Tanguy qui est plus connu. Alors,
Opportunité numéro 4, le consultant SAP, un profil hautement recherché, ça c'est réel. Il fut un temps, effectivement, avec la situation de Covid, il y a eu quelques légères difficultés, mais je peux vous dire qu'actuellement, le marché, il y a même une tension sur le marché. On manque de ressources, c'est une réalité, on manque de ressources. Les gens sont obligés de quitter l'Europe, venir recruter, que ce soit en Afrique du Nord et même en Afrique subsaharienne. Les amis qui sont là ont plusieurs fois fait des interviews et nous avons plusieurs fois refusé des offres. Chacun sait comment est-ce qu'il veut orienter sa carrière, donc bon, chacun pourra faire. Je voulais dire une chose déjà, la compétence SAP est une compétence internationale. Voilà. Donc dire qu'on est déjà consultant international, ça c'est. Voilà. Quand tu as une compétence SAP, tu fais SAP, c'est que tu es en train de développer une compétence internationale. Alors, tu es en train d'étendre tes limites et tu ne vas pas t'arrêter seulement à ton environnement. Mais il faut savoir que tu vas être et tu peux être sollicité partout. Peut-être ce qui peut constituer pour toi une petite difficulté, peut-être la langue. Et là aussi, il faut savoir que la langue de SAP, c'est l'anglais. SAP a traîné un peu dans le milieu francophone dû à cette barrière linguistique. Et il ne faut pas aussi négliger cet aspect-là. C'est vrai, nous parlons beaucoup de SAP, mais la langue de SAP, c'est l'anglais. Avec l'anglais, on peut aller partout et participer à tous les projets d'implémentation. Avant d'être d'abord un constant SAP, il faut avoir fait déjà une formation et aussi une expérience dans le métier, ce serait aussi intéressant, puisque quand nous arrivons en entreprise, nous ne parlons pas seulement de code, nous ne parlons pas seulement de langage SAP, mais il faut parler le langage métier, parce que SAP, c'est pour le métier. Le comptable avec qui tu vas discuter, il connaît pas SAP. Le seul langage qu'il comprend, ce sont ses livres comptables, ce sont ses comptes. Il va te parler de ses comptes généraux, ses comptes de bilan, ses PL, ainsi de suite, ses états, ses reporting. C'est de ça qu'il va te parler. Donc, ça demande aussi une connaissance du métier. Et aussi, j'ai parlé de l'anglais, j'ai parlé du métier et maintenant on se forme à SAP. Et si SAP, il faut être assez patient. Oui, il faut être patient. Quelqu'un peut être dans SAP pendant 2 ans. Pendant 2 ans, mais c'est encore difficile. Ça, c'est la réalité du terrain. Il faut être très patient. Patient, mais aussi grand bosseur. En réalité, on n'a pas de week-end. Il faut être grand bosseur. On ne se contente pas, le content SAP, ce n'est pas celui qui se contente seulement du peu. Non, il faut aller au-delà, parce que le milieu aussi est très concurrentiel. Des gens ont été retirés des projets après 1-2 semaines de présence, 1 mois de présence, parce que ce qu'ils produisaient ne répondait pas à l'attente de ceux qui les avaient sollicités. Mais c'est tellement intéressant. Moi, je dis toujours... pour moi, SAP, c'est-à-dire tu vis ta passion et tu gagnes de l'argent. C'est passionnant, c'est très passionnant, très très passionnant. Donc quand tu conçois comme une passion, tu ne sens pas les difficultés qu'il y a et tout se passe très 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 bien. Il faut faire une formation et chercher à être certifié, c'est très important. Au niveau international, ce qui prouve que tu as fait une formation SAP, c'est la certification qui va avec. Vous voyez très bien, ceux qui mettent sur leur profil LinkedIn, consultant certifié, sont ceux-là qui reçoivent beaucoup plus d'offres venant de l'extérieur. Parce qu'également, pour un cabinet qui est partenaire SAP, ce cabinet a besoin d'un certain nombre de certifiés pour bénéficier aussi d'une certaine considération de SAP, pour être considéré soit un centre, comme un centre d'expertise et autres.
pour bénéficier aussi du support, bénéficier aussi des projets, des TMA, ainsi de suite. Donc la certification est très importante. On fait la formation, on passe l'examen en ligne, on est certifié, ça peut te reconnaître, ça peut t'attribuer même un badge, et tu peux même utiliser le logo de SAP sur tes cartes de visite. Par la grâce de Dieu, nous nous sommes certifiés, moi je le suis, les deux amis là également sont certifiés. Donc sur ma carte de visite, j'ai le droit de mettre le logo de SAP. Mais celui qui n'est pas certifié n'a pas ce droit-là. Donc voici aussi l'importance de certificat SAP. Le consultant SAP est quelqu'un qui doit être très proactif, et que nous tous ici, nous le sommes, nous réagissons très vite, parce qu'il faut réagir très vite. Les clients chez qui vous travaillez, chez qui vous allez partir, c'est des gens qui jugent très vite. Ils vont dire, ah, nous on voyait quelqu'un là, bon, on lui parle, on lui expose nos besoins, et il ne réagit pas bien, les solutions qu'il nous propose ne sont pas intéressantes, les solutions qu'il nous propose ne sont pas bien. Bon, moi, j'essaie d'être assez pratique, hein, s'il vous plaît. J'essaie d'être pratique. Je parle de la situation du milieu, la situation du domaine. Et quand c'est comme ça, on va dire, bon, on va essayer de t'affecter sur un autre projet et nous allons envoyer un autre consultant et autres. Là aussi, il faut faire très attention. Après une formation, il ne faut pas dire, non, après la formation, je vais me retrouver sur un projet. Non, SAP, il faut un mentor. Il faut un mentor. Il faut un mentor. Sinon, tu vas faire des nuits blanches. Tu vas faire des nuits blanches. Et au finish, on ne va pas reconnaître tes efforts parce que tu ne vas pas t'en sortir. Des choses que quelqu'un qui vient d'être formé ou bien qui a un an, deux ans d'expérience va mettre un mois pour trouver, quelqu'un d'autre peut le faire en 5 minutes, 10 minutes. Parce qu'il a déjà traversé ces étapes-là. Il a déjà vécu ces situations-là. Donc, il faut un mentor. Moi, par grâce de Dieu, j'ai été formé en Inde et j'ai été accompagné par un Indien. Et puis, par la suite, on a continué à évoluer de nous-mêmes. Et puis, bon, voilà. Et maintenant, on accompagne plusieurs consultants. On guide plusieurs consultants dans ce métier-là. Il faut un mentor. Il faut quelqu'un pour vous aider, quelqu'un pour vous accompagner. Sinon, très rapidement, vous pouvez prendre la décision d'abandonner, vous pouvez prendre la décision de démissionner. Alors, comment je fais la suite? Non, pardon. Là, je vais dans ce sens-là. Ok, d'accord. Et ça, c'est l'économie de SAP. SAP, ces derniers temps, les projets se font de deux façons. On a des projets qui sont... sur place ou bien on-premise ou bien d'autres sur le cloud, parce que ça a commencé à vendre de plus en plus ce genre de solutions là et voilà. Donc les entreprises souvent commencent à plus apprécier le cloud, et pour le cloud pour que d'abord un cabinet mette en place des projets sur le cloud, et ces cabinets doivent faire un certain nombre de certifications que SAP valide d'abord. Et maintenant, SAP permet à ce cabinet-là de faire des implémentations sur le cloud. Donc, à tous les niveaux, nous avons une certification qui intervient. Et quand on parle de certification au préalable, il y a la formation qu'il faut faire. Voilà, 1 million de travailleurs et autres. Quand on parle d'un million de travailleurs, c'est-à-dire nous avons des utilisateurs. Parce que voici toute la chaîne. La chaîne est composée telle. SAP accorde beaucoup d'intérêt et d'importance aux cabinets qui sont chargés de l'implémentation. Généralement, les consultants se travaillent plus avec les cabinets. C'est cela qu'on appelle les partenaires SAP. Et par exemple, je peux citer, on a comme partenaires, nous avons Accenture, nous avons Atos, nous avons Inetom, nous avons Seidor, nous avons, enfin, vraiment c'est quand même des grosses pointues. Et puis nous avons aussi ici, nous avons Computec qui est ici en Côte d'Ivoire, nous avons JSE qui est à Dakar, je pense que je ne sais pas s'il y en a d'autres encore,
C'est quand même ceux-là que je connais. Ah oui, il y a Saphir qui est à Bamako. Merci. Saphir qui est à Bamako. Et puis, il y a qui d'autre encore? Est-ce qu'à Douala, il y en a encore? Non, le cabinet Douala, il ne fonctionne plus apparemment. Oui. Il tient toujours? D'accord. D'accord. Donc, nous avons SAP, nous avons les cabinets partenaires et nous avons les clients qui sont les sociétés. Au niveau des sociétés, ce sont les utilisateurs, ce qu'on appelle souvent les utilisateurs finaux. C'est ceux-là qui sont les utilisateurs dans les sociétés. Donc, c'est eux qui, au quotidien, sont en contact avec le système, c'est eux qui exploitent le système. En fait, c'est pour eux que nous déployons la solution. Donc, c'est les utilisateurs finaux, mais et au niveau des utilisateurs, là-bas aussi, il y a une certaine catégorisation, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle les key users, c'est les grands utilisateurs. Souvent, c'est des consultants qui rentrent en interne et qui deviennent soit des key users, voilà, et c'est ceux-là qui sont souvent chargés de maintenir la solution. Par exemple, à Sivka, nous avons un centre de compétences SAP à Sivka, où ils ont dû recruter des consultants. Il y a des consultants qui sont à l'intérieur. Et il y a des gens aussi qui, avec une forte expérience de l'utilisation, ont aussi été récupérés et recrutés. Ils sont dans le centre de compétences de CIFRA. Maintenant, nous avons aussi les consultants dans les cabinets, les consultants, on a les juniors, consultants confirmés, les seniors, ainsi de suite. Tout cela dépend du nombre d'années d'expérience, du nombre de projets accomplis, des situations vécues. Voilà. Donc, quand on se retrouve sur un projet, si tu es junior et qu'on te staff, c'est l'expression qu'on utilise, sur un projet, il faut refuser. Il faut refuser. Parce que là, il faut savoir que tu vas te casser le nez. Tu ne pourras pas t'en sortir. C'est un métier et comme tout métier, il y a des règles à observer. Tu ne peux pas être nouveau, avoir un an d'expérience, 2 ans, et on va te confier un rôle pareil. Non. Il faut exiger qu'ils recrutent un senior. Même si le senior ne peut pas être sur le projet, mais le senior pourra t'accompagner. Et c'est comme ça que tu vas plus apprendre. Tu peux aller sur les plateformes des Indiens pour apprendre, mais le senior va t'apporter beaucoup plus. Avec le senior, tu vas aller plus rapidement. Donc, et aussi, nous distinguons 4 types de projets. Pour nous qui sommes consultants, nous avons 4 types de projets. Nous avons ce qu'on appelle, ça qui occupe beaucoup plus, le projet des projets d'implémentation. Le projet d'implémentation, là, en fait, ce client vient signer avec SAP. Donc, on déploie une équipe sur place qui va faire les ateliers, mettre en place, faire ce qu'on appelle le blueprint, bien faire les fiches de conception, mettre en place la solution, former, faire la reprise des données et puis livrer la solution. Ça, c'est ce qu'on appelle l'implémentation. Et ce sont ces différentes étapes. Une fois que la solution est mise en exploitation, il y a ce qu'on peut appeler aussi le projet de support. Le projet de support, c'est que la solution est mise en exploitation et on a une équipe qui accompagne le client. Ça, c'est le projet de support. Et aussi, on a le projet de mise à niveau. C'est ce qui est en train de se passer ces derniers temps. Parce que les sociétés qui utilisaient ECC, tout à l'heure, M. Komara, dans la présentation, vous a parlé de ECC. Donc, les sociétés qui avant utilisaient ECC basculent maintenant vers S/4HANA. Parce que SAP va arrêter officiellement la maintenance de l'ECC à partir de 2027. C'est 2027 que SAP va arrêter la maintenance de l'ECC. Donc, toutes les sociétés sont en train de basculer vers S/4HANA. Ce qui fait qu'il y a du boulot, ce qui fait qu'il y a du travail, ce qui fait qu'il y a la recherche de compétences, la recherche de main-d'œuvre. On a besoin de consultants. Ces sociétés basculent sur S/4HANA, ça aussi c'est un type de projet. Et puis on a ce qu'on appelle les rollout projects. C'est par exemple, on a une multinationale qui a déployé un core modèle. Généralement, le core modèle, ça se fait soit peut-être en Europe. Et sa solution doit être déployée dans les différentes filiales, que ce soit en Asie, en Afrique ou même en Europe. Donc, on vient, on a la solution, on a le core modèle, et
on vient l'adapter aux réalités. Par exemple, si on vient en Côte d'Ivoire, sa solution, il faut l'adapter au nom OADA, parce que ici c'est l'OADA qui prévaut, donc au nom OADA. Et aussi, donc, comme c'est un groupe, on va se retrouver en train d'utiliser deux plans comptables, le plan comptable groupe et le plan comptable local, pour aussi faire du reporting comptable au nom OADA. Et quand c'est comme ça, là-bas, les gens de là-bas, ils ne connaissent pas bien les choses. Ils ont toujours besoin d'une compétence ici. Et c'est comme ça, souvent, j'accompagne les gens d'Accenture sur des projets comme ça en Afrique. Parce que moi, je suis d'ici et je connais beaucoup plus les réalités d'ici. Ensuite, j'ai cité les quatre types de projets. Je reprends, je dis projet d'implémentation. La solution, le client, il est nouveau, on met en place la solution. Le support, ça c'est l'accompagnement et autres. Par exemple, c'est ce que Computer fait à la CIR. Et il y a des consultants qui sont du Computer qui sont à la CIR et font le support. Il y a aussi mise à niveau. Et le roll-out. Donc les consultants, et à tous ces niveaux-là, nous avons besoin de consultants, les clients ont besoin de consultants, les cabinets ont besoin de consultants, et pour lancer tous ces projets-là. Et dans notre milieu, je vais donner juste un exemple, on était à Ouaga, on était sur un projet à Ouaga, lui et moi, on avait besoin de consultants. C'est ça aussi l'importance. SAP, en fait, c'est une question des réseaux. Hein. Il y a cet aspect-là qui joue. Je dois recruter. On me dit de oui, il faut prendre un consultant. On doit prendre un consultant FI. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de mon ami là. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Lui est à Douala. Je regarde en Côte d'Ivoire, dans mon entourage, je ne vois personne. Je ne connais personne. Donc, on était sur le projet avec un autre Camerounais. Je dis, mais attends, tu n'as pas fait de projet à Douala avec quelqu'un qui... Et oui, on a quelqu'un là. Et c'est comme ça, il nous a rejoint sur le projet de l'UEMO à Ouaga. Donc, c'est une question, en fait, de... Ouais, il y a le réseautage. Ça, c'est du concret, quoi. C'est une réalité. Jeffrey, c'est une réalité, chers amis. C'est une réalité. Tu peux avoir tes connaissances, mais... si tu ne te mets pas dans des bonnes relations, les choses peuvent être aussi un peu compliquées. Voilà, ça, c'est une réalité. Donc, si tu as des bons amis, c'est pourquoi il ne faut pas s'enfermer. Il ne faut pas s'enfermer. Hein. L'information, ça circule dans le milieu seulement. Hein. C'est, nous, quand il y a quelque chose, on s'appelle. Si je sais qu'on a un besoin de consultant quelque part, on m'appelle net, moi je rentre automatiquement dans mon entourage. Je dis, je connais pas quelqu'un, ils ont besoin d'une ressource dans tel endroit. Et c'est comme ça, l'information circule au milieu de nous. Donc, ne négligez pas cet aspect, les amis. Voilà, ne négligez pas cet aspect, c'est très important. Et je pense que BIBG également est en train de bâtir ce réseau-là. En train de bâtir ses réseaux et il faut en faire partie. Voilà. Dans un moment donné, ils vont passer des informations. Ceux qui se font former, c'est ceux-là qui certainement vont pouvoir être contactés pour dire qu'il y a telle opportunité ici. Est-ce que vous pouvez venir et autres. Voilà. D'accord. Donc. Déjà, nous avons pu parler des rôles que le consultant SAP peut jouer. Okay. Et si la qualité, la compétence, c'est un métier dans lequel il faut être très humble, comme les autres métiers d'ailleurs même. Il faut vraiment assez d'humilité pour apprendre. Parce que tu peux avoir tes 10 ans, tes 15 ans d'expérience, et puis quelqu'un de 2 ans est capable de te dire, non, il y a telle chose que je sais faire, et puis toi, tu ne sais pas faire. Donc, il faut être assez humble pour apprendre. On est tout le temps en train d'apprendre. De toute façon, l'information qu'il faut savoir, c'est que SAP est tellement grand
que même si tu as 20 ans, 25 ans d'expérience, il faut savoir que tu n'utilises que tu ne connais que peut-être 30 à 40% des potentialités des SAP. Même pas 50%. Je ne sais pas qui connaît 50%, ce n'est pas possible. Je ne vois pas qui. Pardon? Sur un module. Sur un module, je ne vois pas qui peut me dire que lui connaît 100% d'un module. Pourquoi? Wow, parce que SAP, en fait, ils ont récupéré le retour d'expérience des milliers de sociétés. C'est ça que vous trouvez là, en fait, dans le système. Retour d'expérience de milliers de sociétés. Et c'est des milliers d'ingénieurs également qui ont mis en place. Est-ce qu'une personne peut avoir la tête de 1000 ingénieurs? Une personne peut avoir la tête de 3000 ingénieurs? Possible. C'est pourquoi je m'arrête là. Quand je dis 40%, c'est que je suis en train de féliciter ceux qui ont déjà ce niveau de connaissance. C'est du lourd. C'est du lourd. Quand j'avais fini la formation, en Inde, que je me suis retrouvé sur le premier projet, je dis, mais ce que j'ai fait là-bas, c'est pratiquement 1%. Donc, il faut, en termes de qualité, c'est l'humilité. Et aussi, il faut partager. Il faut partager l'information. Vous trouvez des gens sur des projets, ils sont là, ils aiment protéger l'information, ils aiment couvrir les choses. Non, il faut partager. Quand tu découvres quelque chose, tu partages, tu fais une documentation, tu envoies à tous tes amis. Quand ils vont découvrir, ils vont t'envoyer, ça va t'aider. Il faut partager. Il ne faut pas chercher à être le seul. Là, c'est ton nom, on va citer partout. Non, il faut être humble, il faut beaucoup partager. Il faut chercher à toujours apprendre. Et là, comme nous avons déjà dit, il faut avoir déjà des formations universitaires de base. Et des expériences aussi, c'est très important, avant de rentrer dans le métier de consulting SAP, parce que tu iras parler le langage du métier. Tu dis tu veux faire les ressources humaines de SAP, tu arrives, on te parle de... qu'est-ce que je peux dire, par exemple, grille salariale, et puis tu ne sais pas ce que c'est. C'est quoi, grille salariale? Comment calculer les impôts? Tu ne sais pas. Vous voyez, c'est vraiment difficile. Donc, il faut avoir vraiment une connaissance du métier avant de se retrouver. Quand tu as une connaissance du métier, quand tu vas sur SAP aussi, les choses deviennent aussi assez simples. Parce que tu connais le métier, c'est les thèmes techniques que tu vas apprendre et tu avances très vite. Et voilà. Donc, tout cela est aussi, il faut apprendre à présenter un CV d'un consultant de SAP. Peut-être ça, je ne sais pas si BBG peut peut-être organiser une session plus tard. Comment présenter un CV d'un consultant SAP. Voilà, parce que le CV, généralement, quand les gens y regardent, ce qui les intéresse, c'est d'abord, tu as certifié, ok, ton nombre d'années d'expérience, et quels sont les projets que tu as eu à faire, et dessus. Donc, il y a des grandes lignes déjà à faire ressortir avant d'aller dans le détail du CV. Donc, il faut aussi savoir se présenter, c'est important. Savoir présenter ce que tu connais, ce que tu as déjà fait. Ils en ont vraiment besoin. Et voilà. Et comme ça, on peut facilement te recruter. Ok. Salaire. Salaire. Le salaire. Je vais parler de nos réalités. Nos réalités. Et permettez-moi de prendre cet exemple-là. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a suivi une formation, soit dans un centre, peut-être dans l'académie, ou bien, bon, aujourd'hui, il y a plein de centres un peu partout de formation. Je prends le cas de football. Donc, on le prend, il joue en D2, championnat D2. Ensuite, on le recrute. Il y a un club de la première division qui le recrute. Il peut-être gagnant le recrute. Et il fait ses preuves à gagnant. Et la SEC le voit. Et puis, la SEC dit, mais ce gars, il m'intéresse. La SEC aussi le prend. Vous voyez, en fait, donc, vous voyez, il est passé de la formation académique, il est allé peut-être jouer en deuxième division, après il est passé au Sporting peut-être de Gagnoua, il s'est retrouvé à l'ASEC, et maintenant de l'ASEC, il va signer soit peut-être à Arsenal, ensuite il signe au Real ou bien au Barça. C'est le parcours qui est là, en fait. Donc, à chacun de ces niveaux-là, il y a le salaire qu'il va falloir négocier. Tu ne veux pas dire que tu es à l'académie et puis demander... à l'académie, en train de jouer au Sporting et puis demander salaire de quelqu'un qui est au Barça. Ça ne marche pas. Donc, voilà.
Donc, si tu es, pendant que tu es au Sporting, là, il faut demander 200 000. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut demander 200 000. C'est pas grave. Faut regarder l'objectif final, là, qui est Barça ou bien Real. C'est ce qu'il faut regarder. Parce que quand tu vas arriver au Barça ou bien Real, là, ça sert les histoires de peut-être 5 millions par mois, 6 millions par mois, 7 millions par mois. Voilà. Donc, il faut être. C'est pourquoi j'ai beaucoup parlé de patience. Il faut être très patient. Tu es patient, les regards fixés, l'objectif, et tu es grand bosseur, et tu suis les étapes. Il y a des étapes. Il y a le junior, là, le consultant confirmé, le senior et le senior manager. Bon, il y a toutes ces étapes-là, et à chacune de ces étapes-là, le salaire va suivre. Et peut-être même, si tu peux même avoir deux projets à la fois qui vont te rapporter gros. Dieu fait grâce, tu peux être sur deux projets à la fois, et puis à la fin de la journée, tu te retrouves avec, à la fin du mois, tu te retrouves avec 7, 8 millions, 10 millions. Voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment, quand je prends le cas d'ici, ici, c'est ça, mais en Europe, c'est tout autre. Les gens se trouvent à autour de 15, les gens, il y en a qui ont 12 millions par mois, 15 millions par mois. Voilà. Là, c'est en Europe. Et la plupart des nouveaux millionnaires, quand même en euros, la plupart sont des consultants SAP en Europe. Les consultants SAP font partie d'un bon nombre de millionnaires en Europe. Donc voilà un peu ce qui concerne le salaire. Soyons patients. Voilà. Je pense que ça va déjà. Hein? Voilà, cette étape-là, je vais déjà m'arrêter là. Peut-être revenir s'il y a des questions. Mais je vais céder le micro. Merci beaucoup. Sous vos ovations. Monsieur Thomas Tanguy Sej, expert SAP, il vous a parlé des réalités de SAP. Okay, tout à l'heure, on va ouvrir le champ de la question-réponse et ils pourront intervenir. Il a parlé tout à l'heure de réseau. Il a parlé tout à l'heure de réseau. Il a parlé tout à l'heure de je me tourne à gauche, je me tourne à droite, je recherche un expert dans tel domaine de SAP, je ne trouve pas. C'est un appel à votre endroit. On vous dit, venez, entrez dans le réseau. Venez vous faire former et saisissez actuellement les opportunités qui se présentent, les opportunités encore qui vont s'ouvrir les années à venir. Dans son intervention, il a fait mention de une connexion qu'il a eue au travers de son collègue et ami, Defoe Arnaud, également consultant, expert SAP, FI, et qui a 7 ans d'expérience, qui a travaillé déjà sur des projets des structures comme Tredix, Yeux-moi également, et bien d'autres. Il a la particularité de travailler sur la finance publique. Donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec les gouvernements, beaucoup avec les structures qui ont à caractère, dont les activités sont à caractère public. Et nous allons donc lui donner la parole pour que lui aussi nous fasse un retour d'expérience sur ses missions avec SAP. Sous vos ovations, accueillons donc Monsieur Defoe Arnaud. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, comme on l'a dit, je m'appelle Defoe Arnold, consultant SAP FICO, avec une expérience de 7 ans déjà. Voilà, bon, moi je vais parler beaucoup plus de mon expérience. Alors, je commence SAP en 2015. Avant ça, j'ai eu à travailler comme comptable. J'ai eu à travailler comme comptable. Donc, depuis, j'avais peut-être 7 ans, 5 ans déjà d'expérience comme comptable. Voilà. Maintenant, par l'entremise d'un grand frère, moi, il y a l'opportunité SAP qui s'est présentée. Bon, il m'avait quand même parlé déjà depuis un moment, c'est bien, c'est comme ça. Donc, moi, je me suis senti flatté, puis j'ai dit, ah, pourquoi pas. Donc, c'est comme ça que je démissionne de là où je bossais comme comptable. Et puis j'intègre le cabinet Veotis, dont on a fait mention tout à l'heure.
dont j'étais le cabinet Viotis. Les débuts, c'était quand même un peu, voilà, c'était un peu difficile. Les débuts étaient un peu difficiles parce que au début, il y a eu pas mal de documents qu'il faut lire. Il y a pas mal de documents, il faut lire, il faut s'imprégner du monde des SAP, de l'environnement, comment ça se passe. Voilà. Donc, avec beaucoup d'abnégation, du courage aussi, on y est allé. On y est allé. Donc, quelques mois après le début, déjà, voilà, j'avais quand même, le retour était bon. Donc, c'est comme ça que très rapidement, j'intègre un premier projet Tradex. Tradex, c'est une société qui fait dans la distribution des produits pétroliers au Cameroun. Et gaz aussi. J'intègre le projet, bon là vraiment je commence à toucher du doigt les réalités de SAP, comment le système, comment ça fonctionne. Alors, effectivement Tanguy tout à l'heure il a parlé du métier. Alors le métier ça va vous aider. Parce que quand tu vas devant un comptable, il faut que tu lui parles du métier. Tu ne vas pas seulement venir dire le système il fait ceci. Non, il faut que tu lui parles du métier, que tu parles des comptes, que tu parles des... de ces reporting, il faut que vous compreniez, avant même de venir dans le système, il faut que vous puissiez vous comprendre. Je dois déjà dire que avec SAP, Tanguy a parlé tout à l'heure de passion. Vraiment, si après un an, si tu n'es pas passionné, c'est que ça ne vaut pas la peine. C'est qu'il faut laisser tomber. Si après un an sur SAP, tu n'as pas pris le virus, ne t'a pas, voilà, n'est pas dans ton sang, c'est que ça ne vaut pas la peine. C'est que c'est mieux d'arrêter. Parce que moi, j'ai quelques mois déjà, non, je ne pouvais plus laisser. Alors, je vous épargne le nombre de nuits blanches. Parce que des fois, il faut aller au charbon. Surtout au début, c'est dur. Ça, il ne faut pas qu'on vous ment dessus. Au début, c'est dur. Il faut, enfin, quand il dit dur, dur, pas comme, enfin, disons qu'il faut faire les efforts. Il faut mouiller le maillot, comme on dit souvent. Il faut faire les efforts, vraiment entrer dans le truc, lire beaucoup de tests. Des fois, tu peux te retrouver, tu as commencé à travailler à 23h, 5h te trouves, tu es encore devant la machine. Et souvent, c'est comme ça. Après, à 8h, il faut que tu sois au bureau. Parce qu'il y a les managers, là, tes supérieurs qui doivent... Tu dois être là. Et puis, on va contrôler ton avancement, comment ça se fait et tout ça. Donc si tu n'es pas passionné, vraiment, il faut laisser tomber. Parce que des fois, même jusqu'aujourd'hui, hein, sur des projets, des fois, tu as des sujets que le client te pose, il faut aller fouiller. On t'attend demain à la solution. Donc tu dois creuser, et le matin, il faut que tu dises quelque chose. Voilà. Donc, j'ai fait le projet Tradex, effectivement, ça c'était dans les 2016 par là. Bon, là c'est vraiment les débuts, j'étais encore junior. Mais avec beaucoup de boulot, d'endurance, c'est comme ça que je finis par atteindre quand même un bon niveau. Je finis en 2017 sur le projet Tradex. J'ai fait... Enfin, on va dire une petite session de formation. Ça, c'était déjà mon premier déplacement à l'extérieur sur un projet au Bénin, Fludor. Donc là, voilà. C'est la première fois que je me retrouve vraiment hors du pays devant des gens que je ne connaissais pas sur un premier projet à l'extérieur. Et là, j'étais seul. Donc, c'est pas comme à Tradex, par exemple. On était accompagné, on avec nos seniors avec nous. Là, je suis seul. C'était pour une session de formation. Donc là, déjà, il fallait prouver que tout ce que tu as appris depuis ces 2-3 ans, que tu as vraiment maîtrisé le truc, quoi. Donc c'était hyper stressant, je ne vous dis pas. Hyper stressant. Un peu comme là maintenant, parce que je ne suis pas habitué. Voilà. Déjà que ce n'était pas prévu que j'intervienne, mais bon, ce n'est pas une habitude pour moi. Donc voilà. Donc, c'était vraiment, vraiment stressant. J'étais devant des gens là. Et puis il faut former, il faut. Des questions, il faut répondre, parce qu'il faut avoir du répondant. C'est pour ça que je parle beaucoup de métier, et puis il faut aussi maîtriser la solution. Donc, ça a été stressant, mais je pense que après ça, j'ai vraiment, voilà, même en confiance, en endurance, j'ai vraiment vu à quel niveau il faut se mettre pour que ça, voilà, pour pouvoir être consultant SAP. Donc,
c'était pas une bonne expérience, une session de formation, quoi, une semaine, mais sorti de là, j'ai vraiment capitalisé voilà, cette expérience-là. Et puis en 2018, je me retrouve à l'entremise du réseau, comme Tanguy disait tout à l'heure, je me retrouve sur le projet de l'UMOA. Donc, il fallait que je fasse mes preuves. L'espèce Tanguy, il n'est pas... Voilà, il est... Il fallait vraiment que très vite, je montre que je suis capable de faire, voilà, de donner ce qu'on attend de moi. Bon, et ça s'est bien passé, donc, ça s'est bien passé sur le projet l'UMOA. On a fait ce qu'on ce qu'il fallait faire. On est quitté de là quoi, en 2019. Et puis, en 2019, je me retrouve en train de faire certains projets en freelance avant d'intégrer le cabinet où je suis actuellement. Et depuis que je suis dans ce cabinet, j'ai fait beaucoup de projets. Beaucoup de projets, beaucoup de finances publiques aussi, ça c'est vrai. Déjà avec, en 2020, le projet de l'Office national du tourisme marocain. Ça c'est le premier gros projet vraiment dont j'ai la responsabilité. C'est un projet pour lequel je suis quand même fier. Parce que ce projet-là, j'ai géré toute la partie finance, que ce soit le CEO, FI et la comptabilité publique, justement, comptabilité budgétaire. Donc ça, c'est un projet, c'est mon bijou, c'est mon bébé, comme on dit souvent. Oui, j'ai vraiment touché tous les éléments de la finance sur ce projet-là. Donc quand je parle de ça, vraiment, mes yeux brillent un peu, je suis fier. Ouais. C'est là où je prends vraiment les garants, je dis oui, je connais ma chose. Voilà, je connais ma chose. Ça, c'est au Maroc en passant. J'ai dit, c'est marocain, voilà, c'est ça. Donc ça, c'était mon premier projet. Actuellement, ils sont déjà en live, hein. Ils utilisent le système. Bon, par la suite, j'ai fait des projets au Congo. Au Congo, la Société nationale pétrolière du Congo. Lui, on a travaillé là-bas. Depuis l'année dernière, 2021, ils sont passés en live aussi, ils utilisent déjà le système. Par la suite, j'ai fait le projet de la RADEF. RADEF, c'est quoi? C'est la société qui gère l'eau, la distribution de l'eau et de l'électricité au Maroc. Voilà. C'est moi aussi qui ai géré. Sur ces projets-là, j'ai géré surtout la partie comptabilité publique. Oui, sur ce projet, j'ai géré surtout cette partie-là. Ils sont déjà en live aussi. Et actuellement, je suis sur le projet de la SCDP, la société des dépôts pétroliers au Cameroun. Je suis sur ce projet-là. Je suis en même temps sur le projet de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail au Maroc. Donc actuellement, on est en train de préparer la mise en production pour l'OFPPT. Donc voilà les deux projets sur lesquels je suis actuellement. D'abord, d'ailleurs même, je rentre tout juste, j'ai atterri là à 3h venant de Casablanca pour une session de formation. Donc, on fait la formation et puis peut-être d'ici la semaine prochaine ou quelques semaines, on va passer en live aussi sur ce projet-là. Donc, voilà un peu brossé en quelques mots mon expérience. Alors, on a parlé tout à l'heure de salaire. Bon, honnêtement, j'espère que vous tous allez nous rejoindre hein, dans la grande famille SAP. Honnêtement, c'est de loin meilleur que ce que j'ai pu connaître quand j'étais comptable. De loin, je dis bien de loin. De loin. Donc, je vous garantis, vous n'allez pas regretter, surtout d'être performant, parce que c'est ça le truc. C'est ça. Même quand j'ai démissionné, quand j'étais comptable pour aller intégrer le cabinet Veotis, c'est vrai, celui qui... Monsieur Christian, je ne sais pas si certains le connaissent ici, Christian... Bon, je vais pas peut-être donner son nom. Christian, il est expert sur la partie ACM. Voilà. Donc c'est lui, c'est par lui que j'ai commencé. Mais il m'a dit, si tu n'es pas performant, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu n'es pas performant, on ne va pas te garder juste parce que voilà, on se connaît ou bien non. Il faut que tu mouilles le maillot, il faut que tu donnes, il faut que d'ici quelques mois, on voit une progression qui montre qu'on peut compter toi. Donc, si on est performant, ça va aller. Et si ça va, je vous garantis que vous n'allez pas le regretter. On ne va pas entrer dans les détails au niveau des chiffres. Mais bon, je vous garantis que vous n'allez pas regretter si vous êtes performant.
Ça motive. Je dis encore, je vous garantis que vous n'allez pas regretter. Je vous remercie. On le mentionne encore, M. Defoe Arnold. Merci. Je pense que en filigrane, vous pouvez imaginer les différents placements qu'ils font de pays en pays et d'être sur plusieurs missions. Monsieur Tanguy, pour l'attraper. Des fois, tu lui envoies un message. Le lendemain, il te revoit. Parce qu'il est à fond dans sa mission. Il est à fond dans sa mission. Il n'a pas forcément le temps de répondre à tout. Mais une fois qu'il trouve un petit créneau, il peut vous répondre. Hein? Je pense que Monsieur Mekoumara, vous l'avez toujours vu. Web conférence, en présentiel avant la COVID. Aujourd'hui, vous avez des experts qui sont des praticiens de tous les jours. Et vous pouvez vous imaginer la vraie réalité de tout ce qui concerne SAP et son environnement. Nous continuons avec les retours d'expérience avec M. Mohamed Cissé, consultant certifié également SAP Finance, et qui est consultant sur les projets de logistique. Il a déjà travaillé sur les projets de l'UEMOA, la CIE, CENAM. Et en termes de formation de base, il est un ingénieur informaticien, en génie logiciel et en économie également. Donc, sous vos ovations, nous allons l'accueillir pour que nous puissions encore nous imprégner des réalités de SAP. Voilà. Vos ovations, il n'est même pas encore touché le micro. Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence du jour. Donc, je me présente, je suis Mohamed Cissé, consultant logistique. Mais comme on l'a dit au départ, je viens d'une formation de base en informatique. Donc, j'ai commencé en informatique et j'ai pu bénéficier du programme SAP, qui est dénommé SAP Skills for Africa, qui est une initiative d'SAP qui était dans le but de promouvoir SAP en Afrique et surtout en Afrique francophone. Parce qu'on avait vu qu'il y a eu un manque de compétences pour les francophones dans SAP. Comme Tanguy le disait tantôt, c'est vraiment l'anglais et ce sont les anglophones qui sont beaucoup dans SAP. Et SAP a voulu essayer de corriger ce gap-là. Donc on a bénéficié de cette formation en 2017 qui s'est passée au Maroc. Qui a été une formation intensive de 3 mois. Et à la suite de cette formation, il y avait le projet UEMOA où Tanguy était le chef de projet là-dessus. Et sur ce projet, normalement, comme je le disais, pour la formation de base, c'était une formation en finance. Donc, j'étais d'abord certifié sur le module finance. Et lorsque j'arrive sur ce projet, l'équipe finance est vraiment au complet. Donc, il n'y a que la partie logistique, précisément le module MM qui est disponible. Donc, je reçois un coup de fil de Tanguy, il me dit, est-ce que tu peux faire ce module? Je dis, je vais essayer. Okay. Donc, sur ça, j'ai été coaché par une senior et c'est comme ça que j'ai intégré le projet. Voilà, et je suis entré sur du logistique, précisément MM. À la fin de ce projet, j'ai intégré un cabinet où là encore, c'était sur des modules logistiques. Sur les modules logistiques, j'ai beaucoup intervenu sur ce qu'on appelle la gestion de la maintenance et aussi les achats. Voilà, donc actuellement aussi, je suis en charge de la partie à moi sur un grand projet d'une grande raffinerie que je ne dirai pas le nom, où j'interviens aussi comme consultant projet. Voilà. Donc ce que je peux dire sur le métier de SAP, pour devenir consultant SAP, comme on le dit, il faut d'abord connaître le métier. Donc beaucoup d'hommes doivent connaître le métier, mais il faut dire aussi que c'est les informaticiens
peuvent devenir des très bons consultants parce que, en plus d'être consultant fonctionnel, il y a aussi la partie technique. Et donc, la partie technique, on a ce qu'on appelle les développeurs et puis on a ce qu'on appelle les basistes qui sont des administrateurs système. Donc, ce sont ces deux voies-là pour intégrer SAP en tant que consultant. Voilà. Donc, c'est ce que je peux ajouter. Mais il faut dire actuellement aussi avec COVID, normalement, l'ancienne version qui était la ECC, normalement, ça devait prendre fin, je pense, en 2025. Du coup, toutes les entreprises sont en train de basculer sur la nouvelle version SAP qui est S/4HANA. Du coup, la demande de consultants est vraiment à la hausse. Donc, c'est un domaine qui est vraiment très demandé. Donc, le fait de pouvoir faire cette formation va vous donner vraiment beaucoup d'opportunités. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire sur le métier de consultant SAP. OK. OK, bon. OK. OK. Concernant les salaires, pour avoir travaillé un peu dans l'informatique, pas SAP, il faut dire que les salaires des SAP, ça n'a rien à voir avec les autres domaines. Voilà, SAP, les salaires sont très élevés. Et comme on le disait, tout dépend de l'origine. Voilà, des gens qui sortent de centres, combien ils disent qu'ils ont suivi une bonne formation, c'est clair qu'ils auront un certain niveau de salaire plus élevé que peut-être quelqu'un qui apprend sur le tas SAP. Voilà. Mais bon, les salaires SAP, c'est vraiment bon. C'est ce que je peux dire. OK. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à M. Cissé également pour l'intervention. Nous les avons avec nous aujourd'hui, mais peut-être que demain, de lever, même pas à Abidjan et en Côte d'Ivoire, parce qu'ils seront déjà partis. À commencer par M. Guy qui se prépare déjà à partir tout à l'heure. Il nous a fait l'amitié de venir, au moins être avec vous, pouvoir répondre à vos questions. Et tout à l'heure, on va ouvrir le volet des questions-réponses. Mais en attendant, je pense qu'il y a, on va passer à la présentation de ce que BIBG vous propose pour que vous puissiez rejoindre l'élite qui est là. Parce que la main a été déjà tendue. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir entrer dans cette communauté pour que vous puissiez être également des experts et saisir les opportunités donc, qui vous se présentent à vous. Donc avec votre permission, nous appelons encore M. Komara pour prendre le relais. Merci Famien, merci d'ovationner Famien, mesdames et messieurs. Nous-mêmes, on est toujours édifiés hein, lorsqu'on reçoit les consultants dans le domaine de SAP. Et vraiment, je tiens encore une fois à renouveler tous les remerciements de l'équipe de BIBG Africa. Voilà, il y a Lagui peut-être qui nous suit depuis le web. Je crois qu'il a des engagements, il a dû voyager également. Voilà, on parle de voyage, vous voyagez tellement. Et là, la petite anecdote, hein, Tanguy les a dévancés, Tanguy est venu en premier. Donc, on était juste dans le hall, il était en train d'émarger. Et à peine il voit les autres arriver, il dit, mais toi, tu devais être à Casa, non? C'est-à-dire, quand il se rend compte, c'est toujours ça. Chacun va dire de quel pays il vient, quel voyage il a fait, et c'est fabuleux. Et quand ils sont en train de discuter avec le thème technique, est-ce que tu avais fait le live sur tel projet, vous êtes passé en production? C'est eux qui mangent. Ils sont même pas. Non, ils peuvent même pas vous dire. Ils peuvent pas, pour ne pas choquer. Ils restent très humbles. Mais moi, c'est avec beaucoup d'admiration que, en tout cas, on les observe. Et vous voyez la jeunesse qu'ils ont, la fraîcheur qu'ils ont. Et ça fait plaisir, ça fait honneur à l'Afrique, en fait. Et ça donne du sens aussi à ce que nous sommes en train de faire. Alors, donc, on a passé l'opportunité numéro 4, l'opportunité numéro 5, c'est la certification internationale. Tanguy a vraiment couvert tout le sujet. Ici, c'est le top 10 des motivations de ceux qui viennent. Et s'il y a une motivation, en tout cas, qui tient pas mal de personnes, c'est bien entendu la motivation numéro... OK, j'ai entendu 1. 2. Voilà.
Parce que les gens n'arrêtent pas de dire. Les gens n'arrêtent pas de dire, dis-nous un peu, dis-nous un minimum. Hein? Donc souvent, c'est avoir plus de moyens, mais autour de ça, souvent c'est la promotion. Mais c'est lié, c'est toujours ça. Je veux une promotion, pourquoi? C'est vrai, je vais être un peu plus à l'aise dans l'entreprise, mais à la fin de la journée, c'est ce qui va être viré à la fin du mois qui compte. Donc c'est ça, et ça c'est le top 10 des motivations qui sont souvent, qui reviennent très souvent pour ceux qui veulent faire la certification internationale. L'opportunité numéro 6, Fabien l'a dit, comment y arriver en définitive. Ce que BIBJ propose, c'est cela. Le plan de formation de BIBJ pour devenir pro de SAP en 90 jours. Pour déjà mettre un pied, voilà, dans le réseau et puis commencer à travailler, commencer à creuser. L'historique de ça, juste pour vous dire, la plupart des personnes qui viennent vers nous, en général, c'est quoi? C'est que j'ai été confronté à un entretien d'embauche. Ils ont dit SAP. Je ne savais pas ce que c'était. Et moi, je vous ai découvert, je viens me former. Beaucoup de personnes viennent vers nous avec ça. Pour d'autres, ah, j'ai vu telle offre, ou bien je vois régulièrement l'offre de la BAD, mais chaque fois, ils mettent ce truc à trois lettres là, SAP, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, j'ai vu votre publicité, donc je viens pour en savoir plus. Vous comprenez? Très souvent, c'est cela. Alors, nous, on a mis en place cette solution pour vous permettre de ne pas vivre ces situations. Peut-être dans la salle, il y en a qui l'ont déjà vu et qui, du coup, ne veulent plus avoir à revivre ça. Mais pour ceux qui n'ont pas encore vu, on ne veut pas que vous soyez dans ces situations. Un matin, vous vous levez, quelqu'un vous connaît, vous êtes dans son réseau, il sait que vous avez une compétence dans votre domaine d'activité, il dit, bon, voici le job qui est là, mais seulement il y a une exigence qui est là, il faut connaître sa PS. Est-ce que tu connais? Non, je ne connais pas. Et puis, vous laissez passer l'opportunité. Au-delà de ça, aujourd'hui, vous savez que c'est une niche. Voilà, c'est une niche d'opportunité. Et donc, y aller, ce serait intéressant. Et pour vous permettre cela, nous, on a développé une solution qu'on vous présente aujourd'hui sur le plateau d'or. Mais il est important de le dire, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et je pense que dans leurs intentions, vous avez pu voir ça ressortir. Et chaque fois, ils reviennent chez un élément, ils ainsi disent, attention, il faut travailler à la base. Ils te disent, attention, il faut être performant. Donc, ce n'est pas fait pour tout le monde. Voilà. Si ça, vous n'êtes pas prêt à rentrer dans ces critères-là, comprenez déjà qu'attention, ça ne passe pas. Mais au-delà de ça, pour nos BIBJ Africa, ce qui est très important, veut des personnes déterminées à impacter leur carrière professionnelle. Ça y est, ce n'est pas quelqu'un, ok, j'ai de l'argent, j'ai 500 000, j'ai 600 000, j'ai 1 million que je peux injecter dans une formation, donc j'injecte. Ce n'est pas de ça qu'on veut. On veut des gens, on sait que ceux-là, ou celui-là, ou celle-là, elle va venir, elle va se former, elle va prendre ce qu'on est en train de dérouler là au sérieux. Et qu'elle va finir la formation, elle va passer son certificat. Elle va décocher le certificat international. Et qu'on va la mettre en contact avec notre réseau de prescripteurs, elle va mouiller le maillot. Et puis, cette personne va avancer. C'est ces personnes-là qu'on cherche. Des personnes qui veulent aller de l'avant, des gens qui en veulent. Donc, pour nous, c'est très important. Ce n'est pas une pilule magique. Comme ils l'ont dit, voilà, il ne s'agit pas, ok, je me suis inscrit, donc voilà, c'est ok. Non, c'est impossible de réussir sans investir, à la fois en temps, mais aussi en argent. Voilà, on a dit, comme il a dit, il faut avoir un niveau universitaire un peu avancé. En général, on dit Bac plus 2, c'est déjà pas mal si vous êtes à ce niveau-là. Et il faut que vous soyez coachable. Il faut que vous acceptiez qu'on puisse vous instruire, vous apprendre quelque chose. Il faut que vous soyez disposé, vous ayez un peu cette humilité. Vous comprenez? Et il faut aussi avoir l'aptitude à vous intégrer dans un groupe. Voilà. Il y en a qui aiment évoluer seul. Il y en a qui ont cette hand-griffe maladie. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Sinon, on va veiller aussi à... Peut-être on a un peu des médicaments aussi pour ça. Vous aider à sortir de ça. Ce n'est pas mauvais. Souvent, de reconnaître ses lacunes. Voilà. Il peut arriver quelqu'un qui dit, ah, franchement, j'ai eu trop cette mauvaise habitude de travailler seul. Aidez-moi à intégrer un groupe. Il est important que vous sachiez, que vous soyez à l'aise avec ça, si vous voulez évoluer. Ils ont parlé de réseau. On parle de conseil. Bon, si vous c'est l'individualité, ça va être compliqué. Parce que nous, on travaille dans un esprit de groupe pour ce programme de formation. Et la courtoisie, voilà, on est des gens gentils, il n'y a pas de méchanceté ici. On aime aider,
on aime partager. Donc si ça, ce sont des valeurs que vous partagez, vous êtes vraiment les bienvenus. Si vous êtes un professionnel à la recherche de compétences spéciales, il y en a dans la salle? Levez la main. OK. Si vous êtes un nouveau diplômé en quête d'emploi, il y en a dans la salle? OK. Si vous souhaitez augmenter vos chances de carrière dans les multinationales, si vous êtes un consultant et souhaitez élargir vos champs d'action, OK. Si vous êtes dans une entreprise qui utilise SAP et vous voulez monter en position, OK. Si vous souhaitez tirer profit de la dynamique actuelle, qui est la dynamique de la transformation digitale des entreprises, eh bien, sachez que ce que je vais vous présenter tout à l'heure, ce que l'équipe de BIBJ va vous présenter, c'est exactement fait pour vous. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une formation à la certification internationale SAP S/4HANA. C'est une formation qui se fait en ligne. Pour ceux qui nous suivent en ligne, voilà, c'est ce qu'on utilise, c'est ces canaux-là. Et ce programme de formation que nous avons lancé, il va être calculé sur ces 4 modules qui font partie des modules les plus sollicités dans le marché au niveau du SAP, c'est-à-dire FI, Material Management, Basis et HCM, Human Capital Management, mais beaucoup plus Success Factor. On sera sur du Success Factor. Ils vont vous dire ce que c'est, peut-être en off Success Factor. Voilà, donc c'est une crème au niveau de SAP. Donc c'est sûr, c'est des modules au choix. Vous ne pouvez pas faire tout ça à la fois. Tanguy l'a bien dit, même qu'on fait un module, malgré votre grand niveau de compétence, si vous êtes une ceinture noire, 10e dan, c'est que vous maîtrisez 30%. Donc comprenez. Et souvent, il y en a qui posent cette question. Il dit non, il veut faire 2 modules. Oui, vous pouvez, tu ne peux pas. Voilà. Donc c'est des modules au choix. La durée des cours, c'est 100 heures. On n'est pas là pour plaisanter. On ne va pas vous faire une formation de 10 heures et puis on dit non, vous êtes consultant SAP. On a ce speech, on a ce verre pour vous faire avaler ça, mais ce serait malhonnête. C'est une formation de 100 heures. Les séances sont organisées les week-ends. On a parlé de mouiller maillot. Vous êtes professionnel, vous travaillez du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, on est ensemble. C'est comme ça. Ça dépend. C'est un choix après. Je joue au Real ou bien je joue à Madrid. Je ne veux pas me comporter comme quelqu'un qui veut jouer à FC Dallois. Donc, week-end. OK? Ce n'est pas toute la journée. C'est souvent samedi matin, dimanche après-midi. Mais sans, encore une fois, je précise, c'est une formation en ligne. C'est une formation en ligne. Il peut arriver, sur 3 mois, ce n'est pas évident que vous soyez présent tous les jours. Il y a 1, 2, 3 séances, vous allez être absent, ce n'est pas grave. Les séances sont enregistrées. Vous avez la semaine qui suit pour vous connecter à la plateforme et puis revoir ce que vous avez manqué. OK? Et vous avez accès aux rediffusions des cours, comme je l'ai dit. Les supports sont partagés par email après chaque séance de formation. Et ensuite, vous avez accès au logiciel. Ce n'est pas une formation théorique. C'est une formation pratique. Parce que le formateur, il passe le clair de son temps, 98% de son temps de sa formation, là, c'est sur le logiciel. Donc les 100 heures, là, il y a au moins, je ne sais pas, peut-être 95 heures, vous êtes sur le logiciel en train de voir SAP, c'est quoi? Donc, on vous donne accès. Ce que vous avez vu en ligne que le formateur a fait, il a cliqué ici, il a cliqué ici, il a cliqué ici. Nous, on vous donne accès à ça. Vous aussi, vous partez, cliquez là, cliquez là, cliquez là. C'est tout. On vous demande de faire ça pendant 3 mois. Pour que quand vous finissez les 3 mois là, vous êtes opérationnel. Si Tanguy vous contacte, il vous fait ça sur le logiciel, vous savez faire. C'est tout. Ensuite, on vous donne une feuille de route. Pour ne pas que vous ayez faire tout ce que vous voulez sur le logiciel, vous avez une feuille de route, c'est comme une boussole. On vous dit ça, 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 ça. Voici ce que vous devez apprendre à faire sur le logiciel. Et c'est à la fin de la formation, vous savez au moins ça sur le logiciel. Donc ça, c'est une feuille de route. Ensuite,
vous avez un groupe Telegram. On a parlé de l'esprit de groupe. Donc, deux séances, vous êtes connecté au groupe Telegram avec les autres auditeurs. Il y a des Ivoiriens, des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens, des Africains qui sont en France, des Marocains qui sont souvent en France. Le groupe passé, on a eu un Marocain depuis la France. On a une Sénégalaise depuis la France. Vous voyez, on a un Haïtien qui est déjà inscrit pour Bézis. Vous voyez, donc c'est une classe internationale. Ça vous donne, on a parlé de quoi ? Réseau. Ça vous donne la possibilité de connaître d'autres personnes. Les gens n'utilisent pas ça assez. Ça nous fait souvent de la peine. Au niveau de nos classes, les gens ne sont pas... Mais il faut utiliser le réseau. Il faut contacter les gens. Et donc, on a ce groupe Telegram. De telle sorte que si en deux séances, vous avez une difficulté, vous posez la difficulté dans le groupe, déjà vos collègues peuvent réagir dessus. Et puis, on a des coachs spécialisés qui sont aussi connectés à ce groupe. À la fin de la formation, BIBJ vous fait un test déjà. Si vous réussissez au test de BIBJ, BIBJ vous donne lui son certificat, BIBJ Africa, que vous êtes certifié consultant, avec lequel déjà vous pouvez vous défendre. Mais durant toute la formation, on vous a donné le contenu utile pour pouvoir passer la certification internationale chez SAP. Vous partez passer cette certification en payant les frais d'examen. Okay? Et puis vous passez la certification. C'est ça notre programme de formation. On a parlé de langue tout à l'heure, l'importance de l'anglais. Nos formations sont bilingues. Notre grand réseau de formateurs, c'est vrai. Nous, on continue, on est toujours chez nous en train de prier pour que les Tanguay Hôtes aient le temps de venir faire les formations. Parce qu'on cherche des experts francophones. Pour le moment, ils sont très busy. Et en même temps qu'ils sont busy, je vous informe. C'est pour ça que je salue cette formation présentielle. Il y a des choses, peut-être, qu'on est en ligne, on ne peut pas dire. Tanguy ne forme pas quelqu'un en SAP, FI, certification internationale, à moins de 2 millions. On va tout à l'heure parler des frais de formation. Il ne forme pas en moins de 2 millions. Vous allez voir le prix que BIBJ pratique. Donc, il y a tout ça. Nos prières pour qu'ils acceptent aussi certains tarifs pour la cible francophone. En attendant, on travaille des experts qui sont en Inde, qui ont aussi, comme Tanguy, 10 années, 15 années, 20 années d'expérience, qui sont certifiés, mais ils interviennent en anglais. Et à côté d'eux, on met des coachs traducteurs qui sont techniciens versés sur SAP, mais qui traduisent de l'anglais au français de manière consécutive. Donc, vous suivez la formation en deux langues. Ce qui vous permet donc rapidement de monter aussi, de corriger un peu peut-être les lacunes que vous avez en anglais et d'avoir la possibilité de bien comprendre les thèmes techniques et puis travailler dans un environnement multiculturel après la formation. OK? Au-delà de ça, on a 10 bonus parce qu'on veut que l'offre qu'on vous présente là, on veut lui donner une allure irrésistible. On veut dedans beaucoup de valeur ajoutée. Mais en même temps, on veut être cohérent avec ce que nous, on désire. Le premier bonus, c'est l'accès aux enregistrements. On vous a dit tout à l'heure, accès aux rediffusions. Depuis plusieurs années, on donnait des accès limités. Avec ce programme, on a décidé de vous donner l'accès aux rediffusions pendant un an. Vous avez fini la formation pendant un an. Tout ce que vous avez appris en vidéo, c'est dans une plateforme. Vous l'avez pendant un an. La masterclass sur le processus d'un projet d'implémentation. Il y a tellement à dire, ici un cours en SAP, le formateur n'a pas le temps de s'étaler sur. Il reste sur son module, il fait sa formation et c'est fini. Nous, on vous apporte ça en plus. Que vous compreniez un projet d'implémentation, à quoi ça ressemble. C'est quoi les étapes, comment l'équipe est constituée. Vous voyez, souvent, il y a beaucoup de mythes. Hein. Il y en a qui pensent que tu as fini la formation et donc on t'a donné un logiciel, tu vas te mettre sur un ordinateur et puis s'installer. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un projet, c'est une équipe. Donc, comment ça se fait? Vous avez une masterclass dessus. L'assistance post-training. Vous avez fini la formation, mais vous avez besoin de continuer à mouiller le maillot pour consolider les acquis. Donc, pendant 6 mois, vous pouvez revenir vers nos nouveaux formateurs avec des questions. On vous assiste toujours. 4e bonus, l'accès au meet-up sur la carrière pro. On a fait des meet-ups d'une valeur extraordinaire avec des spécialistes comme Tanguy qui pendant 1 heure, 2 heures explique certaines choses, des informations assez riches. Il y a des viennes
quand il parle seulement 5-10 minutes, regardez la valeur que ça vous apporte. Donc imaginez avoir une heure, deux heures de temps de ces experts-là en train de donner des conseils sur la carrière. Donc on a 4 meet-ups comme ça de grande valeur qu'on met à la disposition de ceux qu'on forme. Les spéciales masterclass sur la carrière pro, on parle de carrière. Vous venez vous former parce que vous voulez saisir des opportunités. Mais saisir des opportunités, ça dépend de plusieurs facteurs. Comment je fais mon profil sur LinkedIn, comment je le présente? Comment je rédige mon CV? Si j'ai un entretien, comment j'y vais? Comment j'identifie une opportunité? Comment je fais pour que ceux qui recherchent des experts en SAP me retrouvent? Et ça, on fait ça avec VK. Qui connaît Vincent Cadio? Voilà. Donc avec VK, on fait une spéciale masterclass sur ça et qui débouche même sur une feuille de route qu'on vous donne que vous pouvez appliquer pour transmettre votre formation en impact concret. L'assistance à l'amélioration du CV, on vous assiste et on vous intègre dans un catalogue de profils SAP. Voilà. Qu'on met à la disposition des chasseurs de têtes, des cabinets, des intégrateurs de solutions, mais aussi des prescripteurs comme Tanguy et autres. Septième bonus, l'assistance coaching pour les interviews. Vous avez appliqué tous nos conseils, vous tombez sur des opportunités, on vous appelle pour un entretien. On vous coach avant l'entretien, pour que l'entretien se passe bien. Parce que pour un entretien, il y a l'entretien qui se fait d'une manière générale. Il y a des questions générales qui arrivent, mais aussi il y a des questions spécifiques à votre profil qui reviennent souvent concernant les consultants SAP, on aborde ces questions. Huitième, l'assistance post-recrutement pour les 100 premiers jours. Vous avez été recruté, vous êtes dans le cabinet ou bien vous êtes dans l'entreprise. Vous êtes au pied du mur. Il faut convaincre. Voilà, on vous assiste pendant vos 100 premiers jours pour que ce soit concret. Ensuite, Excel, avec notre partenaire TSS, qui est un Camerounais. Je ne sais pas si Stéphane Temgua, qui est dirigeant de TSS, qui est un de nos partenaires, et avec qui donc on organise des cours sur l'organisation et l'analyse des données pour ceux qu'on forme. Et enfin, le workshop de recyclage qu'on organise chaque trimestre avec donc des questions et des réponses sur l'actualité, les innovations au niveau de SAP pour vous aider toujours à être performant. 10 bonus au total pour compléter la formation. Oui, vous avez raison de prendre les photos. Il faut prendre des photos de ces bonus-là. Ces bonus ont une valeur qui va de 150 000 à 650 000 francs CFA pris individuellement. Tous ces bonus-là seulement, vous les mettez ensemble, ça a une valeur qui dépasse les 2 millions, environ 2 900 000. Si aujourd'hui vous levez, vous voulez faire la formation en ligne dans le hub de SAP, pour la certification internationale, vous n'allez pas dépenser moins de 6 000 euros. Quand vous mettez tous ensemble, vous vous trouvez avec une formation qui a une valeur approximative de 10 420 euros, c'est-à-dire 6 836 000 francs CFA. Au niveau de BIBG, nous, notre leitmotiv, c'est de rendre accessible la formation en SAP. C'est pour ça qu'on vous a préparé une formation avec un tarif accessible. Le tarif classique, c'est celui-là. Quand on présente ça souvent, ça fait rougir les yeux de Tang parce qu'il dit que, mais il est là. OK, mais je pense que de plus en plus, il comprend ce qu'on est en train de faire. Mais ça ne plaît pas à Tanguy, ça ne plaît pas à Cissé Mohamed, ça ne plaît pas, à notre ami, à notre frère du Cameroun. 1 million de francs CFA. On a présenté toute une formation, tous les bonus qui font plus de 6 millions et quelques. Et nous, on a décidé de vous soumettre, de vous présenter cette formation. Et pour ça, on l'a fait en groupe. Donc, on est sur un aspect de mutualisation des coûts, 1 524 euros. 1 million de francs CFA, vous avez la possibilité de payer en trois tranches. 300 000 francs, 350 000, 350 000. Je veux jouer au Real de Madrid. Ces 300 000 francs qui vont m'empêcher. Si c'est le chemin, c'est-à-dire on m'a montré le chemin, Zidane m'a montré le chemin, tous ces joueurs-là m'ont montré le chemin pour y arriver. C'est ça, c'est le chemin qui est là. Tu passes par là, c'est garanti, tu y arrives. Mais il faut 300 000. Attends. 1 million de francs CFA, c'est beaucoup en Afrique. On dit 1 million, ça sonne gros, n'est-ce pas?
Mais 1 million en 3 mois, en 6 mois, on dépense ça à des choses qui ne nous font pas avancer. Dans des choses, on a vu les top 10 des motivations, des choses qui ne vont pas nous emmener à avoir une promotion, qui ne vont pas nous emmener à avoir du prestige, qui ne vont pas nous emmener à avoir plus de moyens. Mais on dépense ça. On a souvent des téléphones qui coûtent plus que ça. Ouais. Et là, on parle de carrière. Est-ce que 1 million peut être une barrière pour nous par rapport à cette ambition? Je ne pense pas. Est-ce que 300 000, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le chemin de milieu commence par un premier pas. Il faut faire d'abord un premier pas. On dit le premier pas, c'est 300 000. Ça ne devrait pas être une barrière pour nous. Est-ce que vous avez tous la possibilité de pouvoir le faire? Tout est une question de volonté. Ici, en Côte d'Ivoire, on a... Oui, c'est vrai, on parle, on a un gros problème au niveau de la gouvernance avec le taux de corruption qui est très élevé. On sait, pour certains concours, on sait ce qui se passe en bas. On va vous dire, pour entrer l'ENA, il faut payer 2 millions, 5, 3 millions. Tu payes ça, et puis souvent, ce n'est même pas garanti. Et tu peux payer les 3 millions, et puis, ça n'a pas marché, et comme on dit en Côte d'Ivoire ici, ça ne va pas quelque part. Mais les gens trouvent 3 millions chaque année. Des centaines, peut-être des milliers de personnes payent ces 3 millions pour aller faire un travail à la fonction publique. Pour avoir 150 000 par mois et puis peut-être avoir des dessous de table à la fonction publique. Les gens payent ces 3 millions. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je donne ces exemples parce qu'on est tous entre frères, ok, qu'on se comprenne bien. Et souvent, on voit des choses, on pense que c'est une montagne, ça n'en est pas une. Il ne faut pas qu'on se leurre. Au-delà de tout ce que je viens de dire, nous donnons encore la possibilité d'accéder à cette formation-là, encore à des conditions plus souples que celles que vous voyez affichées, qui restent tout à fait accessibles. C'est notre offre spéciale limitée. 50% de réduction sur nos tarifs classiques, qui vous donne la possibilité d'accéder à ce programme de formation de valeur inestimable à un coût de 762 euros, je donne les euros parce qu'on a des personnes qui nous suivent en ligne, ou 500 000 francs CFA. Et encore, avec la possibilité de payer par tranche. Franchement, si Zidane lui-même, il atterrit son avion, il dit, je t'attends, il faut monter, on va partir. Franchement, si tu ne montes pas, voilà, tu n'es pas prêt. Voilà. Donc, on vous donne la possibilité de profiter de cette offre spéciale qui est limitée. C'est urgent. Limitée parce qu'on accorde ça à un certain nombre de personnes par module. Pas plus de 15 personnes. On a déjà reçu des instructions. Il y a encore des places disponibles pour les 4 modules. Au niveau de FI, les gens sont très avancés. Au niveau des autres modules, il y a encore de la place. Mais il y a encore de place au niveau de FI. Et donc, avec un paiement déjà de 200 000 francs, vous pouvez garantir votre place. Et le solde, vous payez. Le délai qu'on s'est donné, c'est le 8 mai. Solder. Mais déjà avec 200 305 euros, vous avez à ça. Vous avez tout le contenu qu'on a déroulé. Vous avez vos 10 bonus. Vous avez tout ce qu'on a déroulé au niveau de la caractéristique des carrés de la formation. 200 000. On a préparé des garanties pour vous mettre encore à l'aise. La première garantie, c'est la garantie satisfaite ou remboursée. Nous sommes convaincus de ce que nous faisons. On ne doute même pas un seul instant. Mais on vous donne quand même cette garantie satisfaite ou remboursée. Vous commencez la formation avec seulement 30% ou 40% selon les tarifs, des frais d'inscription remboursables après les 4 premières séances. Vous avez fini 4 séances, vous trouvez que ce n'est pas, ça ne correspond pas à ce que vous pensiez ou qu'on ne respecte pas nos engagements, vous demandez le remboursement, on vous rembourse intégralement. Ce que vous avez eu comme support, comme coût, vous pouvez les garder, aucun problème. Ça, c'est la première garantie.
La deuxième garantie pour nous, c'est l'impact de votre formation. C'est une garantie de résultat pour nous. C'est l'accompagnement à la recherche d'emploi SAP. Si vous êtes prêts, nous nous sommes prêts. Si vous êtes prêts, nous nous sommes prêts pour vous. Donc nous, on vous garantit un accompagnement personnalisé, gratuit, jusqu'à la saisie d'opportunités professionnelles liées à SAP. Au niveau de cette garantie, c'est tout ce qu'on déploie comme programme d'accompagnement post-training pour vous aider à rapidement toucher une opportunité dans le domaine de SAP. C'est ça notre objectif. On ne va pas vous demander 5 francs pour ça en plus. Tant que vous n'avez pas eu cette opportunité, que vous êtes avec nous, nous on est prêt pour vous, on est dessus, on va chercher cette opportunité. C'est très structuré. On a des spécialistes RH avec qui on développe ce programme d'accompagnement post-training. Donc tout ce qui est CV, tout ce qui est catalogue de profil, tout ce qui est constitution, réseau de prescripteurs, etc. Très structuré, très organisé. Tout ce qu'on a comme relation avec SAP Afrique francophone, c'est tout ça qu'on met à votre disposition au niveau de cette garantie. Donc voici, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui sera différent? C'est la question que moi je voudrais vous poser. Vous êtes venu à un meet-up en présentiel, vous avez écouté toutes ces informations. Qu'est-ce qui sera différent pour vous dans 6 mois si vous ne vous inscrivez pas à ce programme de formation? Absolument rien, n'est-ce pas? Ou peut-être même votre situation, je touche du bois, aurait peut-être empiré. On a dit, on a un tarif de 1 million de francs CFA classique par rapport à une formation qui, lorsqu'on regarde les chiffres en valeur, fait plus de 6,8 millions. Et actuellement, la fin des inscriptions que nous avions notées était de 2 avril. J'ai dit nous avions. Parce que pour vous qui êtes là, pour vous qui nous suivez en ligne, on va vous accorder une semaine pour pouvoir saisir cette opportunité. OK? On a notre offre spéciale limitée, qui est bien entendu limitée. Il faut courir pour la saisir, qui vous donne la possibilité d'y accéder à 500 000 francs 762 euros, mais on a dit encore une fois un paiement fractionné. Donc déjà avec 200 000 pour accéder. On est censé démarrer les cours le 9 avril. Si tout se passe bien, on démarre le week-end prochain. La formation, le 9 avril. Et on est parti pour avril, mai, juin. Donc 3 mois de formation. Alors, vous êtes sur le point certainement de prendre votre décision, bien vous l'avez déjà prise. Est-ce que Fatim m'entend? Si Fatim m'entend, c'est le moment de distribuer les fiches d'évaluation parce qu'on arrive pratiquement vers la fin. Tout ce que je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, c'est que le moment est favorable pour prendre une décision sage et concrète. Favorable parce qu'on l'a présenté. On l'a présenté dans les slides. Vous avez le cabinet IDC, qui est l'Agence d'intelligence économique, qui dit qu'en 2020, dans l'écosystème des SAP, il y avait 1 million de travailleurs. En 2024, ce sera 1,6 million, c'est-à-dire 600 000 nouveaux travailleurs. Vous avez écouté Tanguy et les autres experts. Le besoin de consultants en SAP ne fait que grandir. On avait organisé un atelier avec des DRH. Il y avait des entreprises de grande fracture en Côte d'Ivoire qui étaient là. Et ils nous expliquaient comment c'était difficile pour elles, ces entreprises qui utilisent SAP, d'avoir des compétences en SAP. Ils cherchent, ils n'en trouvent pas. Et quand c'est comme ça, ils vont sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, ils trouvent des gens qui sont en Europe. Et quand ils veulent les recruter, ça coûte cher. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent quelqu'un sur place qui ne connaît pas SAP. Et ils l'envoient au Maroc, comme Mohamed qui est parti au Maroc. Ils vont, ils forment la personne. Quand le gars revient, 3 mois après, il s'en va. Et parce qu'il va se faire recruter ailleurs. Donc, c'est un souci pour ces entreprises-là. Le besoin est tellement énorme. Donc, le moment est favorable de faire le saut et puis surtout de profiter de la tendance actuelle, la dynamique générale des entreprises vers la transformation digitale. Vous voulez vous inscrire, comment faire? C'est certainement la question que vous vous posez. Allez rapidement sur ce lien. BRBG.training offre spécial-S4ANA. Vous pouvez prendre la photo si vous voulez.
bibg.training/offre-spéciale-s4ana. Je vais rapidement faire la démo. J'espère que la technique va me l'autoriser. Juste vous montrer ce qui pourrait apparaître si vous allez. Je ne sais pas pourquoi ça, il faut toujours faire comme ça pour que ça apparaisse. Donc si vous allez sur ce lien, 3fois www.bibg.training/offre-spéciale-s4ana, vous allez atterrir sur cette page-là. OK? Moi-même, je suis fatigué de chaque fois présenter aussi ma tête, quoi, mais bon. Donc là, vous allez avoir une vidéo qui fait un peu la synthèse de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Et vous allez avoir le détail, en fait, de ce que nous proposons comme formation, comme bonus. OK? Vous allez également avoir les garanties sur lesquelles nous nous engageons. Et puis également, en fin de page, quelques testimonials. OK? De partage, voilà, de personnes que nous avons formées qui ont pu impacter positivement leur carrière. Tout ce que vous avez à faire dans cette page, c'est cliquer sur « Je profite de l'offre spéciale ». OK? Et quand vous allez cliquer sur ça, vous allez atterrir ici, sur cette page où vous avez tous les canaux, OK, sécurisés pour pouvoir faire votre paiement. D'accord? Donc, c'est l'offre spéciale. Elle est encore disponible. Il faut vous dépêcher. Au niveau des canaux, vous pouvez payer par Visa ou Mastercard, une plateforme sécurisée. Vous pouvez faire l'Orange Money via une plateforme. Comme vous pouvez faire l'Orange Money de mobile à mobile directement sur ce numéro qui est le mien. Comme vous pouvez faire un transfert d'argent, vous avez les indications pour pouvoir utiliser les différentes sources de transfert que vous voulez. Si jamais vous voulez le faire par carte, je dis surtout pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, vous allez atterrir sur cette plateforme de paiement sécurisé, okay, qui est Paiement Pro, et vous allez devoir simplement remplir un formulaire et puis suivre le processus pour pouvoir faire le paiement avec votre carte. Voilà, on aura bien entendu encore ici les montants et tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Information importante sur la plateforme. Si vous faites le paiement, vous avez des frais de règlement de 5% du montant. On l'a spécifié. OK. Donc ça, c'est à prendre en compte, mais c'est minime, bien entendu, par rapport à tout ce que représente le montant ou la formation. Voilà. Donc ça, c'est notre programme de formation, Famien. Je pense qu'on peut valablement aller. Il y a un témoignage, mais vous avez déjà eu assez de témoignages avec nos consultants qui sont là. Sinon, pour les alumni que nous avons formés, il y a Nadou Laetitia qui avait prévu être là. Elle a eu un changement, une contrainte à la dernière minute. Nadou, qui est passé par nous, qui a suivi une formation. Je ne sais pas si c'est le même programme, Young YPP, voilà, qu'elle a fait après notre formation. Et elle a fait sur SuccessFactors. Et elle a été recrutée par un cabinet d'intégration sur place qui intervient actuellement sur un projet d'implémentation de SuccessFactors au niveau d'une entreprise minière ici en Côte d'Ivoire. Après, il y a Lagui dont on parle, il y a Dosso Yakaria, pour ceux qui sont arrivés plus tôt, qui ont pu voir le témoignage de Dosso Yakaria, qui lui est chez Médecins Sans Frontières. On a pas mal d'exemples. On a pas mal d'exemples, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à Sérieux, à Saint-Diane, qui est au Sénégal. Voilà. Donc, je pense que vous avez certainement des questions. On va peut-être prendre quelques minutes pour les questions et puis on pourra donner un thème à cette rencontre et puis passer au cocktail networking où on pourra échanger éventuellement aussi de manière beaucoup plus rapprochée. Famien. Merci beaucoup, Monsieur Kouma. On peut le mentionner pour ces belles opportunités qu'il a pu décrire. Je pense que pour tout ce qui a été dit, vous avez toutes les informations. Il y a une pensée chinoise qui me vient, qui dit ceci, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous avez la volonté de vouloir faire quelque chose,
et que si vous êtes disposé et disponible pour pouvoir le faire, tout de suite, vous aurez toujours quelqu'un pour pouvoir vous accompagner dans son exécution. Vous voulez apprendre, vous verrez toujours des personnes qui sont prêtes à vous accompagner dans l'apprentissage que vous voulez faire. Vous voulez apprendre des SAP, vous voulez devenir des experts SAP comme nos trois experts qui sont venus et que vous avez vu et que vous ont donné tous les témoignages possibles, il ne vous reste qu'à prendre votre propre décision. Et nous ne sommes que le véhicule pour pouvoir vous accompagner dans cette démarche-là. Et au bout des 3 mois à venir, vous serez également expert SAP. Je vais juste vous faire remarquer que nous sommes aujourd'hui, on appelle ça le T2, donc le deuxième trimestre de l'année, donc qui permet de pouvoir avoir avril, mai, juin. Et ce sont 3 mois qui vont servir les 3 mois de formation qui auront lieu que les week-ends. Pendant 3 mois, vous allez faire les formations SAP pendant les week-ends. C'est-à-dire que la deuxième moitié de l'année 2022, vous sortez de là, c'est-à-dire en juillet, vous êtes en plein pied expert SAP. Bien sûr, junior, mais que vous serez coaché par tous nos experts et tout notre réseau d'experts dont Monsieur Tanguy, pour pouvoir vous accompagner pour entrer et atteindre un autre niveau professionnel. Donc, il ne vous reste qu'à prendre la bonne décision. Vous avez votre fiche d'évaluation. Et pour tous ceux qui sont intéressés à s'inscrire, on a donné toutes les informations, mais également, vous pouvez mentionner le module que vous souhaitez prendre en le mentionnant sur la fiche. Et nous en prendrons bonne note pour que nous puissions vous recontacter pour que très rapidement nous puissions commencer. Nous avons juste une semaine qui vous est accordée pour pouvoir, je viens tout à l'heure pour vous donner la parole, pour que vous prendre votre décision, vous engager et commencer dès la semaine, dans les 10 jours à venir pour commencer les cours. Voilà, donc nous allons ouvrir la plage des questions-réponses. Nous avons nos experts qui sont là, mais nous avons également l'équipe IBG qui est là pour pouvoir répondre à toutes vos préoccupations, pour toutes vos observations éventuellement. Nous avons eu une main levée. Le module de formation, ok. Oui. Et qui? La traduction, ok. Ce sont les thèmes auxquels vous allez vous habituer. Hein? Vous allez vous habituer. HR, FI, tout ça, vous allez vous habituer à ça. Donc, je vous laisse le micro à M. Komara. Sur les modules, très rapidement, on a dit 4 modules. Il y a finance, FI, c'est finance en fait. C'est le module de comptabilité générale et de contrôle gestion. Celui-ci, on disait FICO, mais avec S4HANA, ils disent FI, mais ça intègre les deux, à la fois la comptabilité générale et puis le contrôle de gestion. OK, donc ça, c'est le module FI. MM, c'est Material Management. Donc là, c'est la gestion des articles. Peut-être si Mohamed veut dire quelque chose, c'est tout ce qui est stock, tout ce qui est approvisionnement, quelques éléments liés à la facturation. C'est un module qui compte pour beaucoup pour tout ce qui est Supply Chain Management. Supply Chain Management, c'est le vaste module en dessous desquels il y a des sous-modules dont un même qui occupe une place importante. Voilà. Et vous avez BASIS. BASIS, c'est pour les IT. On a des IT dans la salle? Est-ce qu'on a des IT informaticiens purs dans la salle? Ok, je vois deux mains levées derrière. Alors, c'est vraiment pour les IT BASIS. Donc, c'est l'administration des systèmes. Voilà. Au niveau de SAP, parce qu'on parle d'administration des systèmes, c'est BASIS. Et puis, Human Capital Management, c'est ressources humaines. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un background dans ressources humaines dans la salle? Voilà. Donc, mais vous avez vu l'exemple de Cissé, de Mohamed tout à l'heure, qui est informaticien, mais qui s'est positionné sur FI et puis MM. Après, tout est question de vos projections de carrière aussi. Voilà. Mais lorsque vous avez décidé de vous projeter dans une carrière donnée, il faut l'assumer. L'assumer, ça veut dire que je vais aller apprendre un peu plus sur ce qui est connaissance de base liée à ce domaine d'activité. Voilà. Donc, pour dire que je peux ne pas être de formation HR à la base, mais je suis informaticien peut-être, ou je suis dans un autre domaine d'études, mais ça m'intéresse d'y aller. Mais donc, je vais apprendre un peu.
c'est quoi HR, pour pouvoir compléter ou bien soutenir la formation que j'aurais eue sur SAP dans le domaine. Voilà donc pour les modules. Merci beaucoup, M. Kouma. Donc, on profite en même temps pour ouvrir la session des questions-réponses. Si vous voulez prendre la parole, comme on l'a dit au tout début, juste lever la main et le micro vient à vous. Vous présentez rapidement et puis vous posez votre question. Alors, je me nomme M. Vanga-André Hervé. Je vois qu'il y a quatre modules. Donc, il y a quatre modules, il y aura des participants. Alors, comment ça se fait? Est-ce que, en fonction des inscriptions, il y aura des plateformes par module? Donc, je voulais voir comment ça s'opérationnalise. Très bonne question. Effectivement, c'est comme ça. C'est comme ça se fait en ligne. Donc, il y a des classes en ligne pour chaque spécialité. D'accord. Donc, ça se tient en parallèle. OK. Voilà, ça se tient en parallèle. Okay. Donc, pour chaque classe, il y a les formateurs, il y a les traducteurs, il y a l'équipe de coordination. Okay. Et puis, ben, ça se déroule, quoi. D'accord. Alors, une fois que la formation est finie, c'est quoi? Il y a une certification après un examen? Comment ça se passe? Bien sûr. Okay. À la fin de la formation, vous avez déjà le test de fin de formation de BIBG Africa. Oui. Voilà. Qui est un ensemble de questions théoriques. Mais on va évaluer également votre pratique sur le logiciel. Parce qu'avec la feuille de route, on check tout ce que vous avez pu pratiquer durant la formation. Okay. Donc, ces deux éléments sont pris en compte pour vous donner le certificat de BIBG Africa. D'accord. Donc, ça, c'est un. Après, à côté de ça, vous avez la certification internationale, puisque toute la formation vous donne le contenu pour pouvoir aller décrocher la certification internationale. Il y a un atelier spécifique qu'on va faire juste après la formation sur le module pour vous donner les orientations sur quel lien y aller, comment y aller et les frais. Par rapport aux frais, hein, il y a des frais de 200 euros, il y a des frais de 500 euros, voilà, selon que vous vouliez un certain nombre d'essais d'examen. Voilà, donc on vous donne toutes ces informations dans l'atelier et puis vous passez le certificat. Selon le programme, je vais dire votre élan, mais pour nous, le plus tôt ça se fait, mieux c'est, parce que là, vous avez encore les informations fraîches. D'accord. Alors, moi, ce que je voulais dire, bon, j'ai bien aimé la présentation. Mais c'est vrai que je ne suis pas financier, mais je me dis quand même une formation qui est assez importante et qui nécessite un certain investissement physique ou financier, intellectuel, etc. Il serait souhaitable que lors de la présentation prochainement, que vous donnez le tarif, ce que vous l'avez fait, mais également vous donnez un tarif assez estimatif pour la certification. Alors moi, ça nous permet de se faire un budget. Et par conséquent, d'éliminer certaines choses pour s'assurer qu'on n'a pas les sous pour la première tranche et après, on n'a pas les sous pour la deuxième tranche. Donc, ce serait intéressant. Sous pour la certification, quoi. Oui, pour la certification. C'est ce que je viens de dire. Oui. Non, je sais bien qu'on est... que ce soit affiché. Ouais, affiché, ce soit okay. Bien connu de tous okay. Pour qu'on puisse élaborer un budget. Il n'y a pas de souci. Renforcement de nos capacités. Mais déjà, vous pouvez le noter, comme j'ai dit. Oui. 200 euros, SAP vous donne droit à un test. 500 euros, vous avez droit jusqu'à 6 tests. C'est-à-dire, le test, c'est j'ai passé l'examen. Dès qu'on finit, on vous donne le résultat. Hein, c'est des questions. Hein, je crois que c'est 80 questions minimum. Donc, quand vous finissez, on vous donne tout de suite le résultat. Okay. Donc, vous avez fini, ça a marché. Bon, c'est bon, vous avez votre certificat international. Ça n'a pas marché. Si c'est 200 euros que vous aviez payé, vous allez payer encore 200 euros pour faire un deuxième essai. Très bien. Si j'ai payé les 500 euros, j'ai les trois tests. Enfin, j'ai les six tests possibles. Mais c'est maximum trois tests sur un module d'affilée. Si d'affilée, vous échouez trois fois, vous n'allez plus pouvoir composer jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle version sur ce module-là, pour que vous recomposez sur le module. Très bien. Voilà. Et puis, quelle autre information importante à noter, c'est que ces essais-là qu'on appelle des vouchers, vous avez un an pour pouvoir les utiliser. C'est-à-dire que si vous avez acheté, vous avez un délai maximum de un an pour pouvoir l'utiliser, sinon ce ne sera plus possible d'utiliser. Voilà, donc ça c'est l'information pour la certification internationale au niveau de SAP. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô?
Allô. Pour la certification, hein, il faut qu'on soit pragmatique, hein, qu'on se partage les informations. La certification, c'est pas compliqué. Le plus important, faites la formation. Le plus important, faites la formation. La certification, il y a des sites indiens en ligne où vous pouvez payer pour préparer la certification. Voilà, vous payez 50 dollars. Tout de 50 dollars, vous préparez la certification, vous payez, vous passez la certification et ça fait sans souci. Voilà, le plus important, je pense que ce programme-là, il est très, très intéressant. Suivez ces 90 jours de formation et saisissez la philosophie du logiciel. La certif, là, ça va passer, ça va venir. Avec 50 euros, vous allez vous inscrire en un mois, vous passez la certif SAP, puis c'est bon. En tout cas, merci Tanguy pour ce complément, mais rassurez-vous, le contenu de la formation répond à deux objectifs. Un, vous rendre opérationnel. C'est-à-dire que quand vous avez fini, vous avez au moins la possibilité de vous afficher comme un consultant junior. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous maîtrisez sur le logiciel. Et deux, c'est la certification aussi. OK? On va vous donner des quiz de préparation. D'accord? Et on va vous donner, bien entendu, des conseils qui vont avec. Après, bien entendu, vous pouvez apporter des compléments à votre formation. Tellement de ressources, d'informations disponibles sur la certification. Mais rassurez-vous que déjà, pendant la formation, vous avez le bagage utile pour pouvoir aller prétendre à la certification internationale après la formation. Allez-y, vous présentez, vous posez votre question. Oui, vous pouvez vous lever. Okay. Moi, c'est Ludovic Begré. C'est juste demander une orientation. J'ai fait un master en économie, options et développement. Et après, je suis allé faire un master en gestion de projet. Et là, je travaille sur des projets de développement. Mais je voulais savoir, par rapport aux différents modules, quel module qui pourrait, moi, m'intéresser, que vous pourrez me conseiller. Ça, c'est ma question. Merci. Et le reste, peut-être à 8 clos. Vous avez des économies? J'ai fait économie de développement. Après, je suis allé faire gestion de projet et j'exerce en tant que gestionnaire de projet. Manager de projet. Est-ce que Mohamed ou Défaut... C'est vrai qu'en général, pour ce type, on peut avoir des questions, une assistance en offre pour creuser un peu plus. Mais bon, à chaud, s'il y a peut-être une orientation à donner. Bon, normalement, sur SAP, il y a un module gestion de projet. Mais comme c'est dans le contenu ici, quand vous avez parlé d'économie, je vous préconise un module logistique. Ouais, vous préférez logistique ou finance entre les deux. Voilà, mais quand vous gérez des projets, je pense que la logistique va plus vous arranger. Voilà, mais vous pouvez faire les deux, soit finance ou logistique. Voilà, donc MM, je vous préconise plus MM. Après, ce que j'explique souvent, en attendant que notre ami pose sa question, ce que j'explique souvent, c'est qu'on comprend une dynamique générale. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez saisi une opportunité, vous savez, attention, SAP est vous demander. Il faut que je m'arrange pour que SAP soit sur mon CV. OK? Vous avez vu le cas de Cissé, hein, M. Cissé, il avait fait FI. Il est arrivé sur le projet, on dit non, ce n'est pas de FI, on a besoin de MM. Il a allé se former en MM. Il est venu faire. Mais on ne l'aurait pas appelé s'il n'avait pas fait FI. S'il n'avait pas SAP sur son CV, on n'aurait pas pensé à lui. S'il n'était pas certifié non plus. Quand on l'appelait, nous avions besoin de la certification SAP pour être un centre d'expertise SAP. Alors, moi, j'étais déjà certifié et il nous fallait un autre certifié. C'est pourquoi nous avons fait appel à Cissé et qu'il est venu. On lui a dit, bon, ok, tu as fait la certification FI, mais le poste disponible, c'est MM. Donc, on va te transformer. Et il a accepté, et voilà. Et aujourd'hui, et après ce projet-là, encore l'opportunité qui s'est présentée à lui, c'était encore MM, et il continue d'avancer en MM. Voilà. En fait, j'ai réagi. Oui, il a FI et MM. Il a les deux compétences. Je suis plus ou moins les conseils que M. Tanguy avait dit.
il a dit un truc qui est très important. Il fallait que nous maîtrisions plus ou moins le métier. Et quand tu parles, parle en termes techniques. Moi, j'ai en économie, les termes techniques en économie, je les maîtrise. En technique, du côté de la gestion de projet, je les maîtrise. Mais quand je vais faire la finance, même en licence 1, licence 2, je sais qu'on a fait une... nous sommes passés un peu, on a fait un peu la finance, la comptabilité. J'ai seulement les basiques, je n'ai pas une, comment on appelle ça, une compétence un peu avérée, approfondie dans cette chose. Donc, c'est dans ce sens que j'ai dit, bon, si je vais faire MM, ça serait un peu difficile pour moi de parler le langage, en fait. Je comprends ce que vous dites, mais pour quelqu'un qui a fait de l'économie, ça ne serait pas tellement étranger pour lui. Le niveau d'exigence de background est plus fort en FI par rapport à MM et puis HCM. C'est-à-dire, finance la FICO. Si vous ne connaissez pas la comptabilité, ce n'est même pas la peine d'aller vous essayer. Parce que le formateur présume que vous savez c'est quoi débit, c'est quoi crédit, c'est quoi journal, c'est quoi grand livre. Il ne va pas venir vous expliquer un grand livre, c'est quoi. Voilà, quand il parle de grands livres, il se dit, ceux qui sont là, ils savent ce que c'est que grand livre. Quand on dit on débite, ils savent ce que ça veut dire. Vous comprenez un peu. Donc, quelqu'un qui n'a pas fait la compta, qui ne maîtrise pas, il ne pourra même pas. Mais, lorsqu'on est en logistique, on parle d'approvisionnement. On parle souvent des thèmes génériques qui sont dans la vie de l'entreprise. Je sais pas, vous comprenez un peu. C'est clair. Quelqu'un qui a un background en logistique sera plus confortable. Mais il n'est pas exclu que quelqu'un qui a une connaissance générale du monde de l'entreprise puisse maîtriser l'exemple de Cissé, qui lui est informaticien pur, mais qui a pu évoluer. C'est un peu le même exemple aussi pour SuccessFactors. On va vous parler de recrutement, on va vous parler d'organigramme, d'organisation du personnel, vous voyez. Après, on peut entrer sur des thèmes techniques lorsqu'on va aborder des questions de paye. Mais il s'agit encore une fois de se mettre dans une dynamique d'apprentissage. Vous avez la possibilité de commencer, mais vous savez que vous n'êtes pas un spécialiste, ça va vous demander de faire encore un peu plus de recherche à côté. Mais c'est des choses accessibles. Autre question? Le micro est là. Bon, bonjour à tous. Moi, c'est M. Kobinan Bouzam. À la base, je suis comptable. Maintenant, ce que je voulais ajouter, c'est pédi confirmer ce que M. Kumara est en train de dire depuis longtemps, parce que je suis pédi son étudiant, son auditeur. J'ai déjà assisté à deux reprises le cours. Donc, mais bon, malheureusement, je ne suis pas encore certifié. Donc, d'abord, je confirme le suivi exactement, les cours façon il a décrit. C'est comme ça se passe. Donc, je suis un témoin de BIBG. Voilà. Ça nous fait plaisir de... Parce qu'on reste tellement en ligne, vous comprenez? Donc, on passe souvent plusieurs mois avec des personnes, mais qu'on n'a jamais vues. Ça aussi, c'est une expérience... Non, mais sérieux, si on a les noms, mais tu ne sais absolument pas à quoi la personne ressemble après. À moins que la personne a envoyé un CV avec une photo. Et du coup, ça me fait plaisir, Kobinan. Et ça, c'était quelle formation et quel niveau? Pour l'année passée, j'avais fait d'abord pour comment on appelle même, la première formation que j'avais lancée. Et puis après, la deuxième. Donc, c'était les formations... C'était les formations gratuites? Oui, il y avait gratuites et puis j'ai fait les deux. Ok, parce qu'on avait fait un programme de masse. Voilà. Lorsque en 2020, la crise a éclaté, on a fait un programme de masse gratuit. Fait gratuit, c'était initiation. Et après, on a dit, bon, il y a beaucoup qui nous ont dit, ok, franchement, ce que vous donnez, c'est intéressant. Est-ce qu'on parle un peu plus? Et puis, on a fait les formations premium. Mais ce n'était pas des formations qui débouchaient sur la certification internationale. Ça se limitait à nos certificats. Voilà, et là, vous n'avez pas pu passer les tests? J'ai passé les tests, mais de manière difficile parce que, bon, ça, c'est un autre... Ok. Ça n'a pas marché. Voilà, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous inscrire. Cette fois-ci, comme vous avez pu le voir, c'est une formation à certification internationale. Donc,
la valeur est beaucoup plus Oui, grande. c'est ce que Voilà. j'ai constaté. On a une offre spéciale limitée. Ce n'est pas évident que l'année prochaine, on soit sur ça. Je pense que vous savez de quoi je parle. On était sur du gratuit. Quand on faisait premium, c'était 150 000. Et les gens pensaient qu'on allait rester sur ça. Maintenant, on ne fait plus ça. On ne fait plus ça. On ne fait plus. Donc peut-être l'année prochaine, offre spéciale limitée, là, ça ne va plus exister. Donc, il faut se dépêcher. En tout cas, merci Kobino pour ce partage et tous nos encouragements pour ne pas baisser les bras, continuer, tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et puis, Maintenant, oui. ma question, d'abord, c'est parce que déjà avec l'expérience vécue avec BIBG, OK. ça fait que j'ai beaucoup de difficultés au niveau de SAP. OK. Parce que, à la base, comptable dans une structure qui n'utilise pas l'SAP, ça D'accord. fait que quand on peut dire, j'exerce de manière privée à la maison, après, vraiment, c'est compliqué. Trouver Parce le temps que pour pratiquer, voilà, quoi. pour pratiquer. Donc, je voulais avoir au moins ceux qui pratiquent déjà des conseils, comment faire pour pouvoir rester dans le domaine SAP. Parce En que termes c'est, d'organisation. oui, organisation et autres. Maintenant, D'accord. vu que sur le plateforme aussi, c'est payant. Donc, sincèrement, je ne pouvais pas chaque fois payer, Ouais, payer, ouais. payer. Voilà. Donc, voilà. C'est-à-dire après la formation, puisqu'on vous donne accès au logiciel, je mets tout le monde au même niveau d'information. Pendant la formation, on vous donne accès au logiciel. Mais après la formation, vous pouvez avoir le désir. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande en fait. Il faut être connecté au logiciel pour continuer à pratiquer. Et là, vous payez quelque chose. C'est un montant modique. Bon, aujourd'hui, sur S4HANA, on est à 60 dollars. 60 dollars par mois. Voilà. Pour être connecté. Voilà. Maintenant, si vous voulez pour plusieurs mois, on va regarder, on peut vous faire une offre. Et vous avez les apprenants, ils ne se cassent pas la tête. Il prend un an. Il est connecté sur son truc et il se forme. C'est ce qu'Hassan Diagne a fait. Hein. Je n'ai pas eu le temps de vous le présenter, mais c'est ce que lui, il a fait. Et lui, ça a payé. Il est tombé sur une opportunité, il a fait le test, les gens ont failli mettre en doute le fait qu'il soit junior. Il a dit, non, je suis junior. Il dit, mais comment on peut être junior et puis avoir un tel niveau de connaissance? Actuellement, il est DAF dans une entreprise au Sénégal qui est filiale d'un grand groupe canadien. Non, c'est la pratique. Je crois bien qu'au moment où on faisait la formation, Hassan Diagne même a été venu plusieurs fois. Ben voilà. Donc, ces pratiques, ça nous a encouragé beaucoup. Parce que dans la formation, on a les participants qui viennent, on a des conférences avec ceux qui exercent déjà le métier. Voilà. Donc, vraiment, ça nous inspirait beaucoup. Donc, il faut Merci. suivre son exemple. Merci. Merci, Kobe. On va aller, allez-y, Dembélé. Bonjour, Bonjour, c'est Dembélé. Dembélé, François Xavier, technico-fonctionnel SAP HANA et Business One. La question, c'est est-ce que cette formation sera technique et fonctionnelle ou c'est simplement fonctionnel? Maintenant, pour le paiement, c'est forcément en ligne ou c'est appel en présentiel? Alors, côté technique ou fonctionnel, ça dépend du module. Si vous allez sur du basis ou bien tri. Technico-fonctionnel, c'est celui qui fait l'app et un module fonctionnel. C'est vrai que le BASIS, c'est beaucoup plus orienté pour l'administration, mais on considère pas vraiment comme technique. Quand nous parlons de technique, c'est l'app. C'est quelqu'un qui fait le développement avec l'app, c'est lui qui est le consultant technique. Maintenant, le consultant technico-fonctionnel, c'est-à-dire, il fait l'app et aussi un module fonctionnel. Mais bon, je vois que la BAP figure pas dans votre offre de formation. Voilà, maintenant, quelqu'un qui est technico-fonctionnel, voilà, il peut... Technico-fonctionnel, quel module? Ah, Business One. Oui, Business One, et généralement, ils sont technico-fonctionnels. Et ils peuvent facilement être technico-fonctionnels en B1. Maintenant, ici, il va falloir choisir. Si tu es à l'aise au niveau de la compta, tu choisis FI ou bien tu t'orientes MM. Mais moi, si j'ai un conseil à donner aux gens, vraiment MM, allez-y. Hein. Ouais, MM, là,
La plupart des projets, on utilise beaucoup MM, on utilise beaucoup, beaucoup le module MM. Je pourrais dire même un peu plus même que FI. On utilise beaucoup MM. Parce que facilement, quelqu'un qui a fait MM, on peut le transformer dans les autres modules logistiques. Quand nous parlons de logistique, il y a MM, mais évidemment, il y a PM, il y a PP, il y a QM, et ainsi de suite, SD et autres. Et donc, quelqu'un qui a déjà une assise, qui connaît quand même MM, on peut, dans un cabinet ou bien dans une entreprise, le transformer. Voilà. Et MM, il y a beaucoup d'opportunités en MM. Voilà. Ben lui, il est FI. Hein. Sinon, lui, il est FI. OK. Je ne sais pas si Dembélé, ça répond à votre question. D'accord. Mais vous, quel module vous intéresserait entre les quatre? Parce que là, vous êtes technico-fonctionnel Business One. Donc, Business One, vous utilisez un peu tout. Vous êtes sur tous les modules. Tous les modules, tout à fait. Voilà. Ouais, certainement le EM. En tout cas, c'est ce que j'ai choisi. Pour l'instant, c'est la feuille. Mais ça peut être FI en deuxième point. Peut-être. D'accord. En fait, il appartient à une entreprise avec laquelle on a conduit un projet sur Business One. On a géré de bout en bout. Bon, ils ont sous-traité avec nous. Je crois qu'ils avaient un projet, mais ils avaient besoin d'appui technique là-dessus. Donc, on conduit un micro-projet Business One. All right. Next. Ce n'est pas forcément en ligne, c'est au choix. Vous pouvez faire en ligne, comme vous voulez le faire. Bon, si vous êtes à Abidjan, vous pouvez le faire en espèces, qu'on pouvait faire un dépôt orangené sur les... Vous avez les informations sur la page. Quand vous allez sur ce lien, vous cliquez « Je profite de l'offre » et vous allez accéder à la page où vous avez toutes les informations. Dans tous les cas, vous avez tous, je pense ici, mon contact. Après, de manière à pêcher, si vous voulez faire un paiement, on peut échanger et puis on utilise le moyen qui vous sied. Maintenant, si vous êtes là, que vous êtes prêt, bien entendu, on peut recevoir également votre paiement sur place. Aucun problème. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Serge Lobin. J'ai déjà parlé. Ah, Serge. On s'est parlé plusieurs fois au téléphone. Oui. Enfin, franchement, le visage le digital. Okay. Donc, moi, je suis déjà inscrit. FI. J'ai voulu juste me rapprocher du réseau et puis vraiment asseoir mon désir de pousser plus loin avec la formation. Dieu merci, le panéliste a juste donné une réponse à ma question. Parce que je voulais au fait savoir le module le plus offrant. Voilà. J'aime beaucoup les technologies, les logiciels. J'ai travaillé dans des entreprises où c'était beaucoup plus technique, logiciel autrement cher. Et donc j'ai voulu switcher du domaine des technologies à la finance. Bon, je me suis inscrit en une licence professionnelle en finance comptable et je compte faire un master aussi en finance comptable. Donc j'ai opté pour le module FI, mais avec le développement des différents panélistes. Tanguy, tu es en train d'écrire des perturbations dans les... Je ne sais pas que je suis un roseau, mais vraiment, j'avoue que j'ai quand même senti un peu de vent en moi pour dire, mais attends, pourquoi ne pas switcher de FI? Parce que là aussi, après la formation, il faut se trouver un peu de moyens aussi. Ça fait plaisir aussi à... Personnellement, quoi, quand tu finis la formation, et que tu as la possibilité d'exercer en même temps. Moi, j'ai fait une formation en MS Project, mais là, je suis au carreau. J'appelle presque tout le monde pour dire, mais donnez-moi un truc gratuit à faire parce que je ne suis pas dans le domaine du projet. Voilà. Donc, le plus offrant, je suis sûr qu'après la formation, il y aura quand même quelques opportunités à la dérisoire où on peut quand même apprendre. Donc, on croit au juste. Espère. D'accord, non, je reste en FI. Déjà, quand nous trouvons sur FI, c'est le premier module de SAP. D'accord. Donc, quand on parle d'un projet SAP, peut-être en dehors des projets SuccessFactors, parce que SuccessFactors, on peut l'implémenter sans les autres modules. C'est aussi l'avantage de SuccessFactors. Voilà, sans les autres modules, il peut avoir d'autres logiciels et décider d'implémenter SuccessFactors. Ça n'a rien à voir. Maintenant, quand on veut vraiment l'ERP SAP central, les modules, on commence. Il nous faut d'abord FI,
FI et également MM. C'est les deux modules qui interviennent dans la plupart des projets. On peut faire un projet FI simplement, sans la logistique, parce que FI apprend à vivre sans les autres. Voilà, FI est complet, puisque nous avons la comptabilité fournisseur qui peut faire ce que MM fait. Nous avons la comptabilité client qui fait ce que SD fait. Voilà, donc FI peut vivre sans les autres. Mais comme on le dit, quand on a FI simplement, on n'a pas le processus en amont. On commence seulement à la comptabilisation des pièces. Alors qu'il y a des étapes en amont qu'il faut considérer dans le processus. Raison pour laquelle on fait intervenir les modules logistiques, MM, SD, ainsi de suite. Voilà. Donc, le module FI est plus exigeant d'abord que le module MM. FI est très exigeant. Le module FI est plus exigeant que le module MM. Maintenant, quelqu'un qui est vraiment habitué au langage comptable sera très à l'aise et peut vite avancer dans le module FI. Mais quoi qu'il en soit, je dis, on peut être peut-être un mécanicien et puis après se laisser transformer. Il faut un investissement personnel puis devenir un grand comptable. Donc, pour moi, ça ne doit pas constituer un obstacle à un rêve de quelqu'un qui veut faire FI. Quel que soit ton background, aujourd'hui, tu vas sur le net, tu télécharges les documents de la comptabilité, tu lis, tu t'investis, tu t'approches des gens qui sont des praticiens de la comptabilité en entreprise, tu vas faire des partages d'expériences, de connaissances, tu vas te retrouver. Et puis tu fais le module FI et tu avances. Il faut un investissement personnel. Il ne faut pas laisser des obstacles dans la vie. Tous les obstacles, il faut les lever et puis avancer. Donc, moi, je dis, n'importe qui peut faire FI, mais ça va demander beaucoup d'efforts, ça va demander beaucoup d'investissement personnel. Maintenant, il y a le module M1 qui va venir s'ajouter. Ce qui se passe, c'est que... bon, ça, je vais pas frustrer les gens. Vous pouvez aussi, MM également rechercher. Moi, en le disant, je ne sais pas si c'est parce que peut-être je fais FI, mais j'ai vu beaucoup d'offres MM. J'ai vu beaucoup d'offres logistiques. Pourquoi? Voici l'avantage. Si vous faites MM, on va vous soulever, allez vous déposer dans un projet aux États-Unis, vous n'aurez pas grand problème. On va vous envoyer en Europe, on va vous envoyer partout, vous n'aurez pas de difficultés. Mais si vous faites FI, quand vous allez arriver, vous devez chercher à comprendre le système, la comptabilité locale. Voilà en fait, là, voilà encore l'une des difficultés. Donc avec MM, c'est pourquoi je dis on a plus d'opportunités avec MM. À l'international, c'est MM qui a plus d'opportunités. Parce que pour faire FI, les gens ils disent qu'ils préfèrent travailler avec l'impétence locale. Donc ça dépend. Si vous voulez vraiment aller à l'international ou bien vraiment être ouvert à l'international, et puis bon, avec moins de difficultés, c'est MM. C'est le même processus là, le même processus logistique, partout. Mais par contre, la comptabilité, quand vous allez sortir confort OADA et que vous allez vous retrouver, maintenant tout le monde est en train de basculer aux normes IFRS, peut-être c'est ça qui va faciliter la tâche, mais quand vous allez vous retrouver dans un domaine où c'est les normes IFRS, mais là encore, ça va vous demander plus de concentration, plus de formation, ainsi de suite. Et puis aussi, en réalité, on va moins vous faire confiance. On va moins vous faire confiance. Voilà. Donc, si vous sortez de votre région, voilà. Donc, c'est pourquoi nous autres, on fait FI, mais en FI, on a plusieurs pôles. Voilà, moi, je fais également la finance publique. La finance publique, c'est les process sont pratiquement pareils partout. Donc, partout où je me retrouve, je peux faire la finance publique, en plus des FI, là. Donc, je fais aussi la finance publique. Je fais le contrôle de gestion. Dans le contrôle de gestion, pratiquement, les process sont pratiquement partout, les mêmes partout. Voilà, mais quand on parle de la comptabilité, attention, il faut rester dans son domaine, dans son milieu. Voilà un peu. Ressources humaines. Ressources humaines, c'est au niveau de la paye que vous allez avoir des difficultés, quelques difficultés. Sinon, c'est pareil un peu partout, mais c'est tout payroll au niveau de la paye. Ça change au niveau de la paye, puisque chaque pays a ses lois. Voilà, c'est à ce niveau-là quelque chose pourrait changer. Très bien, est-ce que ça vous aurait... Non, super. En tout cas, merci, très très reconnaissant. Je pense que j'ai enfin découvert la raison pour laquelle je suis venu participer à une deuxième édition. Là, parce que moi, je suis nouveau à la finance. Je côtoie les banques, par la grâce de Dieu, et je veux quand même sortir de ma bulle de littéraire, pour embrasser une carrière vraiment purement technique. Mais pour un départ, je pense qu'il serait préférable
d'opter pour MM et ensuite faire une formation, une autre formation en FI. En tout cas, je suis avec vous, je vais aller pas à pas, maillon par maillon. Il n'y a pas de problème. Des switches comme ça, on peut les faire avant le démarrage des cours. Officiellement, je vais switcher. C'est bien noté. Bonjour à toutes et à tous. Je suis docteur Thaïs Hilbert, médecin spécialiste en santé au travail. Très ravi de mettre un visage sur le nom. Voilà, on a changé. Et on se demande certainement qu'est-ce que je fais ici. Alors, il faut dire que j'ai fleuré le coup parce que j'avais déjà vu les premières offres, mais pour des problèmes professionnels, je n'ai pas pu me libérer pour suivre les formations. Mais cette offre, je pense que c'est la meilleure qui... Depuis que je me suis intégré au groupe Telegram, je pense que c'est la meilleure et je saute avec les deux pieds joints dedans. Okay, au niveau de l'activité, merci. J'appartiens à un grand groupe qui est numéro 1 en Côte d'Ivoire, au nom privé. Et tout à l'heure, M. Tanguy en avait parlé. Ils ont fait l'implémentation sur certaines filiales, mais pas chez nous. Voilà, ici dans l'IVA Culture. Voilà. Et on a été dans le groupe, on a été les premiers à implémenter avant PAM Siot. Et que j'ai été frustré dans la partie parce que nous, en termes de d'organigramme, bon, après les directeurs, le top management, c'est nous on voit. Et dans la pratique, lors de l'implémentation de SAP, on a été mis de côté parce que pour les gens, un médecin, il soigne et puis bon. Voilà, c'est tout. Alors que lorsque je vois, j'ai des collaborateurs qui sont directs sous ma responsabilité, qui gèrent ce qu'on appelle eux considèrent comme un stock, mais sa pharmacie. Et ils sont sous nos responsabilités. Et le suivi et autres, c'est nous. Lorsque il y a des problèmes ou bien des dépassements, autres, ça nous justifie. Et lorsqu'il y a eu l'offre, moi, il n'y a aucune ambiguïté. C'est elle-même que je dois faire pour mieux comprendre. Et on doit profiter de la force de cette TRP, la ERP. Et peut-être que, bon, de mon œil de vue médical, je pourrais peut-être développer certaines compétences dedans. Mais c'est vraiment important pour moi parce que je ne veux pas être mis sous la touche pour un service que je gère. Et on a plusieurs activités, mais on ne peut pas nous mettre tout à tout parce que on estime que bon, la gestion ce n'est pas notre affaire. Alors que nous sommes au quotidien dedans, on gère les hommes, on gère même aussi des articles et c'est important pour nous de tout maîtriser et être performant. Voilà. Donc C'est bien noté, Monsieur Taillé. Et très ravi en tout cas de mettre un visage sur le nom et tout de voir votre détermination à rejoindre le programme de formation. Et je pense que votre appel est bien entendu par Tanguy, ne mettez pas trop à côté les médecins. Parce qu'effectivement, comme il dit, il gère des hommes, mais aussi il a sous sa responsabilité des gestionnaires de stock. Voilà. Donc, chez nous, en 2024, on va basculer de SAP à S4HANA. D'accord. Bon, de toute manière, on est leader. Quand eux vont traîner, on va venir dépasser. Voilà, donc je compte me mettre pour la formation et vraiment être un acteur principal au nom de mon entreprise. Très bien. Merci. Je m'appelle Ayambaï Anna. Merci, Anna. Ma question est un peu banale. Je voulais juste demander pourquoi Anna. Parce que mon Anna, il manque un seul N. Il manque un seul N pour que ce soit mon Anna. Ouais. Voilà, ah bon, hein? De la même façon. C'est H-A-2-N-A. Je crois qu'Anna veut dire quelque chose. Ouais, j'ai pas. Tu veux dire en français? Au niveau. Voilà. Ben, merci Anna. J'espère que vous êtes véritablement Anna. J'en doute pas. Je sais que vous êtes également performante. Voilà. Notre dame? Non, vous voulez rien dire? D'accord. Il y a une main derrière. Allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Aimé Boifou. Je suis logisticien de formation. Déjà, je voudrais dire, d'entrée de jeu, j'ai vu M. Koumara se présenter gestion, M. Tanguy gestion, tout, que des financiers. Bon, ça m'a fait un peu peur parce qu'en logistique, déjà, il y a la logistique et la comptabilité, c'est comme de... Il y a un logisticien. Hein, oui, peut-être. Oui. Ouais.
Pas pure souche, vous faites, je veux dire. Pas pure souche. On sait que dans les services, la logistique, la comptabilité, c'est comme de l'huile et le pétrole. Il y a toujours de petites tensions et tout. Mais ma première question va à l'endroit de M. Cissé d'abord, de savoir comment il a pu, quelles ont été ses plus grandes difficultés, lui en tant qu'informaticien, de gérer ce module MM, de logistique carrément. Et puis encore, la deuxième question, c'est qui va à l'endroit de M. Tanguy, qui a dit que on peut facilement basculer de FI en MM, pour juste avoir peut-être quelques aperçus de ça. D'accord. Je n'ai pas bien compris pour Tanguy. Vous voulez savoir comment un FI peut devenir un MM? Parce qu'il a dit okay. Aussi que c'est assez facile pour un FI pour passer en MM. Et puis il y a eu un non-dit aussi, c'est dire aussi que, bon, entre guillemets, MM c'est la mer au fait. La logistique, c'est ça regroupe en même temps. Quoi. D'accord, mais on comprend bien que vous faites la mer de votre paroisse. Ouais. Ok, bon, d'abord pour répondre, au niveau de SAP, il faut dire que SAP, c'est d'abord les best practices, c'est les bonnes pratiques. Donc, SAP a déjà les processus de gestion logistique qui vous apprennent comment est-ce que le métier de la logistique doit fonctionner selon les standards internationaux. Donc, c'est bien documenté. La première chose, il faut comprendre comment SAP analyse et étudie ses flux. Une fois que c'est fait, je comprends même le métier même, puisque ceux-mêmes qui ont fait de la logistique. Voilà. Parce qu'il y a déjà toutes les bonnes pratiques logistiques dans SAP. Okay. Donc, c'est un peu sa réponse. Donc, pour compléter sa réponse, il faut savoir que SAP, je le disais tantôt, c'est un retour d'expérience de plusieurs clients. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelait les meilleures pratiques. Et une fois que vous connaissez cela, voilà, vous arrivez, vous exposez, le praticien que vous allez trouver là, il va dire, ah oui, celui-là, mais apparemment, il est bien, alors qu'en fait, c'est le processus standard de SAP. Maintenant, tantôt, je ne sais pas, j'ai dit quoi, passer de FI à MM. Bon, de toute façon, un consultant FI, on peut le transformer comme on le veut. Hein. Oui, on peut le transformer comme on le veut, parce que en réalité, à la fin de la journée, tous les modules travaillent pour FI. Voilà, tous les modules travaillent pour FI. Et quand tu es surtout FICO, il faut connaître ce qu'on appelle les intégrations. Il ne faudrait pas que le monsieur des achats vienne te déverser n'importe quoi dans ta comptabilité. Le monsieur des SD vient te déverser n'importe quoi. Ceux de la production vient te déverser n'importe quoi. Parce que la production, ils vont avoir des impacts comptables sur les encours de production et tout cela. Donc, celui de FI doit connaître tous ces processus. C'est ça qui fait un peu la complexité de FI. Parce qu'il faut connaître tous ces liens-là. Avec HR, la paye, il y a des impacts comptables. Voilà, et chaque agent, on va poster, à la fin du mois, qu'on fait le posting. Voilà, il faut aller voir maintenant les rubriques de paye sur les comptes. Est-ce que c'est les bons comptes qui ont été impactés ainsi de suite? Voilà, tout cela. FI analyse tout cela. FI analyse avec HR. FI analyse avec MM. FI analyse avec ST. FI analyse avec P. Sur toute la chaîne. Non, une fois que, donc pour analyser, il faut comprendre un peu ce qui se passe là-bas. Donc, ce qui fait que pour bouger d'un module à un autre, bon, ça devient un peu plus simple, celui de FI. Voilà. Merci bien, Tanguy. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Guy Roger Adou, IT System. Ok, Guy Roger. J'ai une question sous forme explicative. Je suis varien. J'ai fait une formation SAP Basis avec les Indiens. C'est un exemple. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Et à la fin de la formation, je souhaite refaire la même formation avec BIBG Africa. Est-ce que c'est possible d'avoir les supports de formation vu qu'avec vous, c'est en anglais et en français, alors que de l'autre côté, c'est purement en anglais? La deuxième question, c'est, j'aimerais connaître la différence entre BC et Basis. Parce que j'ai fait un peu de recherche, j'ai vu SAP BC, SAP Basis. Je ne sais pas si on parle du même module ou si c'est deux modules carrément différents.
Ok, la première question, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Les supports sont mis à disposition de ceux que nous formons. C'est quelqu'un qui participe au programme, bien entendu, il a les supports de cours. Et parlant de la langue, les supports sont en anglais. Nos supports de cours sont en anglais. Voilà. Ce qui est la traduction, c'est la formation. C'est-à-dire la formation en live du trainer. Donc, ce que l'étudiant fait, ou l'auditeur fait, il a son support, il peut relire le cours. Donc, ça fait que ça lui demande une bonne capacité aussi de prise de notes. Ah, mais dans le support de cours, on a parlé de ça. Mais quand je vois la traduction au niveau du cours, voici comment ça a été traduit. Donc, il peut se faire un lexique. Alors, souvent, on demande la dynamique générale de ceux que nous formons pour faire cela. Comme on peut aussi demander à nos coachs traducteurs de faire ce lexique-là, sur des points clés. Voilà. Donc, si de l'autre côté, vous avez eu des supports purement en anglais et que vous êtes à la recherche de modules de supports français, non, nos supports sont en anglais à la base. Voilà, ce qui est traduit, c'est le cours. Vous avez la possibilité d'écouter le cours en anglais et de l'avoir également en français. Voilà. Après, l'autre question, c'était quoi? BC. Vous dédiez un mot dessus, sur BC. SAP BC. Alors, BC, ça veut dire basis component. Basis component. Donc, si je dis BC et je dis basis, c'est la même chose. C'est la même chose. Hello, monsieur Kouma. Oui. Je vais poser une question. Alabi, ok. Alabi qui est à la fois dans l'équipe, mais en même temps aussi un auditeur. Voilà, il y a ça aussi qui est important à noter. Hein, on fait souvent des recrutements parmi nos auditeurs pour rejoindre nos équipes. Aujourd'hui, si vous regardez notre équipe de traducteurs, vous allez avoir pas mal de nos auditeurs dedans. Voilà. Par exemple, celui qui a fait la traduction pour le groupe FI qu'on vient de finir, c'est APRO. Et APRO, lui, il est en Guinée. Il est DAF d'une entreprise minière là-bas. Il a suivi le programme de formation précédent et il est bilingue. Donc, étant bilingue, ayant suivi le programme de formation, étant certifié consultant BIBJ, il était vraiment à l'aise et il a fait un travail extraordinaire dont aujourd'hui, il fait partie de l'équipe. Donc, vous avez Hassan, qui est aussi coach spécialisé, qui lui est certifié FIEMM chez BIBJ Africa, et c'est notre coach spécialisé. Donc, pour dire qu'on fait souvent appel aussi à des compétences au niveau de nos équipes, enfin, au niveau de l'équipe des auditeurs. Voilà, puis... dans cette campagne-là. Donc, Alabi, vas-y pour ta question. Ok, d'accord. Merci bien, M. Kouara, déjà pour l'ouverture que vous m'avez donnée au niveau de SAP. Ma question va, en fait, à l'endroit de Mohamed. Ok. Mohamed, s'il te plaît, j'aimerais, en fait, savoir pourquoi ce virage informatique et tu te retrouves en train d'apprendre, en fait, du MM. Quels ont été... Quelle a été la motivation, voilà pourquoi de l'informatique tu t'es retrouvé en MM. Est-ce qu'on a d'autres questions? On va prendre les dernières questions et répondre toutes à la fois. C'est bon? On a fait le tour? Ok. Ok. Concernant pourquoi ce virage, je peux dire, lorsque j'ai entendu parler de SAP, j'ai tout de suite compris que SAP, c'était l'avenir. Donc, quand j'ai eu l'opportunité du programme SAP Skill for Africa, je n'ai vraiment pas hésité à basculer. Vu qu'avec SAP, c'est toujours de l'informatique. Hein. Je ne suis pas carrément... Ce n'est pas un virage à 360 degrés. Parce que dans SAP, il y a la partie développement qui est toujours de l'informatique. Donc, en même temps, tu peux être technico-fonctionnel. Donc, tu gardes toujours... l'informatique, l'SAP. Voilà. Merci. Merci Mohamed et grand merci à Lagui hein, qui t'a invité à cette rencontre. On aurait aimé vraiment que Lagui soit là, mais bon, on va lui faire le CR. Et encore une fois, remerciement renouvelé à tous ces experts que je vous prie d'ovationner. Également, merci à vous aussi qui avez accepté de venir jusqu'ici. C'est vrai que la pluie a cessé, mais il pleuvait.
Voilà, il pleuvait fortement ce matin, mais vous êtes venu tout de notre de votre intérêt pour ce programme de formation, pour la thématique qu'on a abordée. J'espère que vous avez pris plaisir, en tout cas, à recevoir toutes ces informations. Mais le plus important, c'est que de vous décider. J'espère que vous avez pris la décision de rejoindre ce programme. Dans tous les cas, toute l'équipe de BIBJ est disponible à votre disposition. Ça, c'est une rencontre en présentiel, mais au-delà, on est totalement ouvert à pouvoir échanger avec vous si vous avez des préoccupations particulières, si vous voulez échanger sur une question, il ne faut vraiment pas hésiter. Nous sommes totalement open. On va faire juste une photo avec, je vais demander aux experts de venir ici pour que Alabi ou Fatim, juste pour immortaliser voilà, le moment de leur présence. Et puis on va passer au cocktail networking. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, merci. Merci. BIBJ Africa reste disposé et disponible. Vous avez le lien pour rejoindre le programme. Vous avez toutes les informations. Et puis, surtout, restez connectés à notre groupe Telegram. J'espère que vous y êtes. Si vous ne l'avez pas, c'est bibj.training/telegram. Hein? Sinon, vous me faites un WhatsApp. Je peux vous partager le lien si vous n'êtes pas sur notre groupe Telegram. Merci encore une fois. On vous souhaite un bon retour. Il y a un petit rafraîchissement qui est là où on peut encore peut-être échanger si vous voulez. Dans tous les cas, nous sommes là, disposés et disponibles. Allez, merci.